ciel. Chantal, bonjour. Regarde comment ça me plaît de voir, de te voir commenter. Comment tu vas? La présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Je viens vous fortifier. Je demande qu'à travers ce que je vais dire aujourd'hui, que vous soyez apaisés. Éternel, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Papa Yahweh, je sais que ce n'est pas perdu pour eux. Seigneur, je demande par la présence du Saint-Esprit, par ta grâce, que tu le montres, Seigneur, toutes les grâces que tu leur as déjà accordées. Je viens contre l'esprit de découragement. Je chasse ce que l'ennemi a mis à l'intérieur d'eux pour leur faire croire que c'est fini. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je viens les sortir des trous dans lesquels on les a déposés. Je viens les sortir des relations qui les bloquent. Je viens les sortir des endroits où on les a affaiblis, Seigneur. Je déclare, Papa Yahweh, la grâce divine les accompagne au nom de Jésus. Papa, je déclare que leur vie ne sera pas perdue. Je déclare qu'ils ne vont pas échouer. Je déclare que tu n'échoueras pas. Je déclare que tu n'échoueras pas. Je viens faire renaître ton cœur. Que tout ce qui était abîmé soit restauré. Que tout ce qui était fatigué en toi se réveille. Je chasse le découragement de ton esprit. Je chasse le découragement de ton esprit. Je déclare que ta vision renaît. Ta vision renaît au nom de Jésus. Mauvaise nouvelle que tu as reçue hier, avant-hier, depuis le début de cette semaine, qui est en train de te casser le corps, qui t'affaiblit l'esprit. J'annule ces mauvaises nouvelles au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne seras pas assujetti à qui que ce soit négativement. Je viens restaurer ta vision, je restaure l'amour pour le Seigneur dans ton cœur. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que ta vie de prière reprend. Papa Yahweh, je mets le feu de la prière dans le cœur de cette personne qui m'écoute. Je déclare qu'ils ne sont plus découragés. Je déclare que votre bouche s'ouvre au nom puissant de Jésus. Toute force négative, toute force contraire à votre destinée qui est en train de vous attaquer, je déclare à cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, que cette force sort de votre corps,
Je déclare que vous êtes délivré de tout esprit de lourdeur, tout esprit de lourdeur, tout esprit de lourdeur, toute vidéo que vous avez regardée, toute personne que vous avez suivie, toute personne à qui vous avez parlé et son esprit de découragement est entré dans votre corps. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Je fais renaître votre feu. Je fais renaître vos dons. Je fais renaître vos dons. Toute attaque sur votre cœur, toute attaque sur votre mariage, j'annule ces attaques au nom de Jésus. J'annule ces attaques au nom de Jésus. Je déclare que l'espoir revient dans ton cœur. Je remets de l'espoir dans ton cœur. Écris ici, mon de l'espoir revient. De l'espoir revient. Toute personne qui a été envoyée pour vous décourager, toute personne que vous avez rencontrée, la personne vous a mal parlé, la personne vous a insulté, la personne vous a donné des mots qui vous découragent. Je déclare aujourd'hui que le Seigneur lui-même se pointe pour vous remettre sur les rails. Je vous remets sur les rails de la prière. Je vous remets sur les rails de la prière. Je vous remets sur les rails de la prière. Au nom de Jésus. Je déclare pendant cette saison où vous êtes en train de vous relever, de renaître spirituellement, que vous reprenez votre feu. Je déclare que vous mettez de l'espoir. Vous mettez les fondations pour votre nouvelle vie. Hier, le Seigneur me disait d'annoncer que c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie renaît. Nouvel appartement. Même si c'est ça que tu désires, déclare, je reçois ma nouvelle vie. Je reçois ma nouvelle vie. Je reçois mon appartement. Je reçois. Peut-être tu es arrivé, on dit, oh, c'est pas évident, hein. C'est pas facile de trouver la maison ici, tu sais. C'est pas facile de trouver la voiture. C'est pas facile de trouver le travail. Peu importe ce qu'on t'a dit qui a gâté l'espoir que tu avais quand tu es arrivé dans cette maison. Je déclare que cet espoir revient. Je déclare que cet espoir revient. Je déclare que tu vas défier les attentes. Tu vas défier les attentes. Peut-être dans le pays où tu te trouves, quand on arrive en étant expatrié, en étant étranger, je ne sais pas, on attend, on doit attendre tel nombre de temps. Oh, tu dois d'abord faire 6 mois avant d'avoir les papiers. Tu dois faire 1 an avant de... Tu dois faire... Je viens écraser et j'annule le protocole pour vous au nom de Jésus. Je te mets quelqu'un dans ta ville qui va te montrer comment faire ton papier dont tu as besoin au nom de Jésus. Je te mets quelqu'un dans ta ville sur ton chemin qui va te montrer dans quel bureau tu dois aller au nom de Jésus. Tu vas rencontrer cette personne, la personne va te donner son témoignage, tu vas dire c'est possible. Je viens contre les décourageurs. Toute personne sur ta voie qui t'a découragé, je mets une autre personne qui va te faire renaître les idées. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont des activateurs. Nikes, on n'est pas ici pour se plaindre. Tu veux te plaindre, tu quittes, s'il te plaît. Je mets les activateurs sur votre chemin. Quand tu vois la personne, tu vois son histoire, tu l'écoutes, tu vois sa voiture, tu dis, ah, la femme, c'est à mon âge, elle a déjà la voiture. Et quand tu la regardes, tu vois comment elle travaille. Tu sais que non, ça, c'est pas l'homme. C'est pas seulement parce qu'elle est partie faire la belle vie devant quelqu'un qu'on lui a donné ça. Je sais que c'est possible. Écrivez ici, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je réactive ta vie de prière. 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 Je réactive. Tu te réveilles à 3 heures, tu pries. Je déclare même dans le sommeil, tu pries. Au nom de Jésus, je viens couper la tête de tous les Goliaths. Tous les Goliaths dans ton sommeil qui viennent pour t'affaiblir. Tu te réveilles, ton corps est cassé. Tu te réveilles, ton corps est cassé. Tu ne sais pas pourquoi. Je viens te réactiver. Je te réactive. Je te réactive. Je te réactive. Je te réactive au nom de Jésus. Le Seigneur m'a demandé de vous dire que ce que l'ennemi est en train de faire, depuis le début du mois, le 1er et le 2, tu étais là, ouais. Depuis 3 jours, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Le diable, quand on coupe sa tête, quand il voit qu'il ne peut rien faire, ce qui se passe, c'est que il va faire un semblant. Il va mettre une facette devant toi. Généralement, avant que tes choses ne souffrent,
tu auras l'impression que tu veux même laisser tomber. Que tu vas, ton gars va quitter la maison, va partir. Alors que vous avez prévu vous marier dans 2 mois, 3 mois. Après 10 ans de relation. L'ennemi va venir attaquer les derniers moments parce qu'il sait que c'est déjà fini pour lui. Je viens vous fortifier quand vous m'écoutez. Tout ce que tu as vu et que tu as demandé le 1er, le 2 novembre, que Seigneur, voilà, 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 et que l'ennemi est venu mettre sa tête devant comme ça pour dire que ce n'est pas possible. J'efface. Cette parole vient confirmer tout ce que tu as demandé et que tu savais que tu allais recevoir au nom de Jésus. Tu as cru que tu peux te marier à nouveau. Oh, Shandala Katorobo Soto. Et Kroko Sandaliba Kosokoto. Ma chérie, tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Je vous ai parlé du témoignage de la dame de l'autre jour. Déjà dans sa quarantaine. Au moins 4 ou 5 visas refusés. J'ai fait son lavage depuis une semaine que j'ai lavé la femme, la maman. Je l'ai lavé lundi la semaine passée. Ce matin, elle me dit. Dimanche, je vous ai dit que samedi, j'ai lu ton témoignage. Vendredi ou samedi, j'ai lu son témoignage ici. Sans savoir que ça s'ouvrait d'une autre façon. Ça fait 1 an que je travaille sur cette femme. Dimanche matin, elle m'écrit à 9h. Oh, j'ai eu ma première proposition de mariage. Et c'est cet homme qui est en France qui essaie de faire ses papiers depuis longtemps. Qui lui dit l'autre jour que c'est ta tante, si ta tante, j'ai l'impression que ta tante s'y bloque tes choses. Que la prochaine procédure de visa que je lance, je ne lui dis même pas. Elle ne savait pas que c'était comme ça son mari qui était en train de faire ses papiers. Dimanche, elle me dit qu'il m'a demandé de l'épouser. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, elle me dit qu'il a commencé sa procédure. Oh, Rababou, Chantala, Kasakari, Abasokoto. Écoutez, écoutez, toute jalousie dont vous avez été victime. Tu as été heureuse avant. Et l'ennemi est venu, il t'a fait mal. J'ai parlé avec une dame l'autre jour. J'ai consulté une dame l'autre jour. J'ai dit qu'elle ne voulait même plus l'espoir. Donc, elle ne veut même pas que tu. Ma chérie, ça va aller, tu as compris. Elle ne veut pas, donc. Elle ne veut même pas que tu lui dises que ça va aller. J'ai même d'abord forcé avant de la consulter. J'ai même seulement forcé. Donc, elle dit qu'on lui a tellement fait de mal. En été, elle a rencontré un homme. Quand elle voulait recommencer à faire confiance à mon monsieur, mof, il l'a tapé, bam! Et donc, je remets de l'espoir dans ton cœur. Je vous ai dit qu'on est en train de préparer l'école du mariage. Tu vas, tous les célibataires là, je veux que vous venez vous asseoir. Vous voyez. Parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on ne voit pas. Tous ceux qui sont mariés, que vos maris vous ont abandonné, parfois tu restais. Il y a une femme qui m'appelle hier à 3. Je l'ai appelée. Elle est dans le groupe, elle m'a dit que sa fille, elle a pris le tout maison hantée là pour le blindage. Elle a mis sur l'enfant. Ah. Elle dit que l'enfant a commencé à faire comme si elle est possédée. Je crois qu'elle est en Europe. Je l'appelle. Elle me dit, l'enfant en pleurant, dit qu'elle est là-bas. Qu'elle pointe un coin de la maison, elle dit qu'il y a une femme là-bas. Son enfant de 2 ans. Elle était déjà fiancée, elle est enceinte à nouveau. Ils voyagent, ils partent au pays, ils reviennent. Son gars la quitte. Son gars là, donc, elle dit là, moi voilà, voilà, grossesse, avec l'enfant de 2 ans, il est parti. Toute personne qui, par jalousie, a abîmé, gâté votre relation, a fait le genre que, donc, celui qui voulait t'épouser, il est parti, il a disparu. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Parce que quand Dieu essaie de te parler lui-même là comme ça, il m'a mis ça dans la bouche aujourd'hui que je vais te dire. Reçois ton mariage parfait au nom de Jésus. Reçois la restauration de ta relation. Ce sera encore plus sucré avec ton gars que cela n'était avant. Écoutez, cela ce sera encore plus sucré avant, dans le futur que cela n'était avant au nom de Jésus. Les relations abîmées, vous êtes à la maison, vous faites seulement la colocation. Je restaure, je restaure. Je déclare que vous allez faire l'amour les prochaines jours quand vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Je remets la passion amoureuse qu'il y avait entre vous au nom de Jésus. Reçois ta relation. Que ton homme te localise au nom de Jésus. Que ton homme te localise au nom de Jésus. Je remets le désir. Je vois une femme ici là que tu avais même perdu l'envie de ton gars. Quand tu ressens ça, tu as perdu l'envie. Tu le regardes comme ça là. C'est par devoir que tu fais l'amour avec lui une fois par mois. Je fais renaître tes sens. Je restaure tes émotions. Papa Yahweh, c'est toi qui as créé l'amour. C'est toi qui as créé l'amour. Nous ne sommes pas censés être abîmés dans l'amour. Au nom de Jésus.
Comme tu m'écoutes, toute malédiction familiale qui fait que dans ta famille, on ne se marie pas. Qui fait que dans ta famille, on rejette toujours les hommes. Qui fait que dans ta famille, les hommes viennent à pied pâte. Qui fait que dans ta famille, on n'est pas heureuse dans le mariage. Je déclare le bonheur sur toi. Maman, tu seras heureuse. Écris ici, je serai heureuse. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens. Vous n'êtes pas venu être fille d'honneur dans les mariages des gens. Vous n'êtes pas venu être fille d'honneur dans les mariages des gens. Peu importe ton âge. Toutes jalouses, les tantes, les oncles, les personnes qui vous ont jalousé dans votre famille. Parfois tu avais ton gars comme ça, là, dès que tu appelles la famille, oh, il veut venir toquer la porte. La porte se casse. La porte se casse. C'est quoi cette bêtise-là? Écris ici, je serai heureuse. Décret de force. Décret de force. Et ce sera le genre de mari que les gens seront jaloux. Oh, le chocolat. Les tablettes de chocolat sur le ventre. Hein? Il ne va pas regarder ton corps, ma chérie. Et je déclare même sur toi-même que tu vas reprendre ton régime. Tu vas remettre ton corps en forme. Au nom de Jésus. Je te vois comme à 45 quand tu repars au sport. Tu cours. Ton corps devient ferme. Au nom puissant de Jésus. Je restaure ce qui a été abîmé. Il y en a ici, là, vous avez 45 ans. Très joli, hein? Très joli. Je déclare que tu seras heureuse. Je déclare que tu vas plus manger excessivement. J'enlève le manque de confiance en toi. Je déclare que tu soulèves la tête. Je vois une femme ici là, tu te dis oui, c'est possible, c'est possible. Tu repars, tu t'habilles à nouveau. Je vois moi, tu mets le rouge à lèvres sur tes lèvres. Je déclare sur toi que ta beauté revient. Ta beauté revient, ta beauté revient, ta beauté revient. Je viens attiser à nouveau la flamme dans ton foyer qui était morte. La flamme qui était morte au nom de Jésus. La flamme qui était morte. Reçois la restauration de ton mariage. La restauration de ton mariage. Même si tu avais laissé, je déclare que ce n'est pas perdu. Jésus est arrivé dans la vie de Lazare. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Il a déclaré sur Lazare, lève-toi. Son corps sentait déjà. Tout ce qui est venu abîmer ton corps, tout ce qui est venu abîmer ton corps, abîmer ta relation, abîmer tes relations. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, 5 ans qu'on ne t'a pas dragué. Tu n'as plus de désir envers l'homme. Je te restaure ce matin comme tu m'écoutes. Je te restaure ce matin, je remets la passion dans ton corps. Que tout homme, peut-être tu as accouché, dès que tu as accouché comme ça là, l'homme t'a abandonné, tu t'es aussi abandonné toi-même. Je déclare que tu reviens à toi. Je te rappelle, maman. Je te rappelle. Reviens. Les habits qui sont dans la moire, là, tu vas les porter. Tu vas porter les habits que tu as achetés. Tu vas porter les perruques qui sont dans la moire. Les lesbouilles que tu as achetées, tu vas porter. Les lesbouilles que tu as achetées, tu vas porter au nom de Jésus. Je bénis vos dîmes. Voilà quelqu'un qui a fait d'avoir sa dîme là. Je bénis ta dîme. Je déclare que tu vas porter au nom puissant de Jésus. Tu vas porter. Je te restaure, je te restaure, je restaure ta beauté, je restaure ta beauté, je restaure, je restaure. Il y en a parmi vous au pays, vous attirez que les benguistes. Cette femme dont je vous parle qui voulait aller en Europe depuis par ses propres moyens. Voilà que son futur mari qui est en Europe, européen, c'est lui-même qui est en train de faire tous ses papiers maintenant. Et vous savez qu'il y en a parmi vous. Ça fait au moins 5 fois que les benguistes sont venus. Quand un Européen, un benguiste s'intéresse à toi, bam, 2 mois plus tard, tu ne sais pas ce qui se passe, il te bloque partout. Tu allais payer l'argent dans les sites de rencontres fatigués. Je déclare que ton espoir renaît aujourd'hui, ma chérie. Ton espoir renaît aujourd'hui. Ma chérie, tu ne seras pas désespérée. On ne va pas se moquer de toi dans ta famille encore longtemps au nom puissant de Jésus. Je restaure ta vie sentimentale. Je restaure ta vie sentimentale. Oh papa, je viens intercéder. Je déclare que mes anges et mes guides restaurent cette femme qui m'écoute. J'enlève le voile sur toi. J'enlève le voile sur toi. J'enlève le voile sur toi. J'enlève l'esprit de rejet. S'il vous plaît, achetez le kit fondation, vous le faites. Kit fondation, huile de ricin. Vous mettez ça sur le ventre. Kit fondation, huile de ricin. Et puis, embellis-moi. C'est le spray embellis-moi là. Mettez ça sur votre visage. Et vous payez un lavage à distance, s'il vous plaît. Femme ici, que ton aura que le Seigneur avait mis en toi, est-ce que tu peux être là pour ça là, tu es au pays, au fin fond d'un petit village là, alors que ton mari est en Europe, hein? Et souvent tu restes, l'esprit te dit que il faut croire qu'un homme peut venir de l'Europe t'épouser. Tu dis ah, il va venir d'où, il va sortir comment, hein? Écoute, oh, j'ai une de mes tatas là, elle a l'orphelinat que je soutiens souvent là, une de mes tatas. Son premier gars, je crois que quand il va arriver au Cameroun la prochaine fois, je vais aller l'interviewer. La maman de l'orphelinat cœur de Jésus s'est mariée au... Pardon, envoyez-moi les cadeaux de mariage. Elle s'est mariée samedi. Je vous dis que maman Nathalie s'est mariée.
Daniel vous donne une partie de son histoire. Je vous donne une partie de son histoire. Elle a tellement aimé les orphelins, tellement aimé les œuvres caritatives. Elle sortait avec un monsieur. Lui, il m'a dit que moi, il n'est pas en Europe. Toi, tu restes ici là. Elle dit oui. Tout le temps, elle prenait son argent, elle partait toujours. Elle ne filtre pas la nourriture, elle donne les orphelins. Elle ne peut pas, elle donne les orphelins. Après, il la laisse pas. Il dit que pardon, je suis moi, laisse-moi des bêtises là. Il arrive en Europe. 6 mois plus tard, elle préparait, elle mettait sur la tête et partait donner les orphelins. Hein. La femme, là, elle aime trop. Elle aime trop les enfants. Elle-même, elle avait 3 enfants biologiques qu'elle a accouchés. Là, voilà qui reste. Un jour, son benguiste, son ex de Meng l'appelle. Elle est en vidéoconférence avec lui. Bonjour, il dit, ah voilà. Il est au bar avec son ami. Hein. Il dit que voici ma part de femme qui m'a abandonné. Elle dit qu'elle veut s'occuper des orphelins, elle est restée au pays. Son ami là prend le téléphone, il parle avec elle. Le projet des orphelins plaît tellement à l'ami là. L'ami descend au pays quelques mois plus tard. Il prend une villa. Il paye 6 mois de loyer pour qu'elle fasse l'orphelinat avec. Écoutez bien la grâce qu'il y a sur cette femme-ci. 6 mois de loyer. Voilà comment elle se retrouve avec l'orphelinat. Parce que quand elle aidait les orphelins, elles ne savaient pas comment elle allait faire pour avoir la maison. Parce que ce n'est pas l'État qui paye. Là, voilà qu'il reste quelques temps après. Peut-être, je sais pas, quelques mois plus tard, sa copine prend son premier enfant. Elle dit, envoie-moi ta première fille. C'est comme ça qu'on prend sa première fille aux États-Unis. Elle fait ses papiers. Elle reste encore un moment. Son deuxième fils, son papa est dans notre pays d'Europe. Il reste, il fait les papiers de son enfant. Son enfant part. Son dernier enfant n'a pas, je crois qu'il n'a pas encore 16 ans. C'est pour ça qu'elle retrouve, ses 2 enfants sont partis en bain. Après, son témoignage, c'était seulement le réel. Elle est restée l'autre jour. J'arrive au pays l'autre jour. Elle me dit, maman, je me marie dans 2 jours. Je dis que quoi? Je me marie dans 2 jours. Je rappelle que sa première fille a 22 ans. Hein. Donc elle n'est pas jeune. Je ne connais pas exactement son âge, mais elle a plus de 40 ans en tout cas. Là, voilà, elle m'explique, elle me dit que voilà, son témoignage, je ne vais pas parler dans les détails maintenant. Parce que je vais avoir son accord. Elle me dit seulement que le mariage était prévu en juillet 2024. Voilà qu'un truc est sorti dans son boulot là-bas, promotion, ta. Il me dit que elle dit que le 1er août, octobre, elle a commencé à jeûner. Elle prend le billet d'avion. Elle commence à jeûner le 1er octobre. Elle devait faire 1 mois de jeûne. Seigneur, change ma situation. Il était venu il y a quelques mois déjà. Dit qu'il vient toquer la porte. Elle dit que Seigneur, que la porte ne se casse pas comme les autres portes. Parce qu'on se voit venir toquer la porte, ça s'est cassé. Elle prend son jeûne 1er octobre. Le 14 octobre, il appelle, il dit que j'ai acheté le billet d'avion, je viens au pays. Vraiment, il y a des trucs qui sont en train de changer dans ma vie. C'est là, il faut que je vienne. Il arrive au pays. 3-4 jours plus tard, il dit que mettez le mariage à la semaine, dans 4 jours. Donc, elle m'appelle et dit que oh, je me marie dans 2 jours. Recevez votre mariage au nom de Jésus. 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 Recevez votre mariage. Elle est à Marie. Elle est mariée. Grosse robe de Isaora sur elle. Oh. Grosse réception. Oh. Préparez en 4 jours, s'il vous plaît. Tout ce que l'ennemi a planté dans votre vie, qui va faire que vous ne serez pas. Voilà, je ne connais pas. Je ne sais même pas ce que je suis appelé à faire. Tu tournes, tu es aussi comme ça. On se moque de toi dans ta famille. J'enlève la honte sur vous à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. J'enlève la honte sur toi. Maman, j'enlève la honte sur toi. J'enlève la honte sur toi. Ton mari va venir te marier, il va partir avec toi. Il va venir t'épouser, il va faire toute la paparazzi, il va partir avec toi au nom de Jésus. Les incantations faites par tes tantes, les incantations de jalousie faites par tes tantes, je les annule de ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, tu es peut-être en Europe, ta femme est ici au pays, vous n'arrivez pas. Je déclare que tu viens prendre ta femme, tu pars avec elle. Je tous les paperasses dont vous avez besoin, tout papier, toute signature qui vous manque, je viens mettre cette signature au nom puissant de Jésus. Recevez votre mariage, recevez votre mariage. Souvent même tu as commencé à causer avec quelqu'un, il te voit, il dit, ah, j'ai bien envie. Tu parles, tu sens. Un soir, vous passez 4 heures de temps au téléphone, il te donne toutes les promesses. Wow, 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 wow. 2 jours plus tard, son ex-femme revient. Tout sorcier Karaba qui est venu bloquer ton mariage. Tout par là, j'ai été une fois avec un homme comme ça. Hein. Ça fait 5 ans qu'il est divorcé, s'il vous plaît. 5 ans. 5 ans. 5 years.
10 ans de séparation, 5 ans de divorce. Il divorçait, fini, s'y signait. Il ne voyait même pas ses enfants. Dès que sa femme, son ex-femme apprend qu'il est avec moi, hey! Elle porte les enfants qui ont déjà 12, 13 et 15 ans. Elle vient déposer à la maison. Que voilà les enfants. Elle appelle le pasteur. Mon mari. Et mon mari avait une femme. C'est comme si elle était devenue amnésique. Sans embrouiller l'homme lorsqu'on s'est séparé. Elle tenait ses enfants. Il dit, vraiment, voilà mes enfants, tu sais, il faut que tu attendes et m'occupe d'abord de mes enfants. Il dit que j'ai vu ça comme le film dans ma vie. Et c'est un homme qui avait l'argent. C'est un homme qui avait les papiers. Tout un sorcier caraba. Et vous ne savez parfois pas que ce sont des attaques. Parfois tu restes comme ça là. Parfois tu restes comme ça là. Hein? Ça commence après, tu dis, ah, on va voir avant de se prononcer. Mamie, je déclare que tu commences le jeûne aujourd'hui. Je déclare que tu commences le jeûne aujourd'hui. Je déclare que tu commences le jeûne aujourd'hui. Seigneur, transforme ma vie maritale. Seigneur, transforme ma vie maritale. Seigneur, transforme ma vie maritale au nom puissant de Jésus. Toute relation, 18 ans, vous vivez ensemble de quoi? Je déclare au nom puissant de Jésus. Pour la prochaine demande de mariage que tu auras, ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. J'enlève l'esprit de vieille mère sur toi. J'enlève l'esprit de rejet. J'enlève l'esprit de vieillesse. Quand te voit, on dit, peu importe ton âge. Je déclare que peu importe ton âge, qu'elle te voit, tu es son goût. Tu es son goût. Bonjour Billy. Tu es son goût. Tu es son goût. Non, voici ma femme que j'ai choisie. Voilà ma femme que j'ai choisie. Je déclare, l'homme qui ne dérange pas te localise au nom de Jésus. L'homme qui ne dérange pas te localise au nom de Jésus. L'homme qui ne dérange pas. L'homme qui vraiment, tout, ce sera vraiment l'harmonie dans ton foyer au nom puissant de Jésus. Le Seigneur le fera. Hein? Rien n'est impossible pour Dieu. La semaine passée, si on disait à maman Nathalie qu'elle serait mariée cette semaine. Ouh, recevez, recevez. Recevez, recevez. Votre mariage immédiat de bonheur. Votre mariage immédiat de bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les mariages se planifient généralement un an, deux ans, un an. Maman, t'as pas là, hein? T'as pas, ce sera qu'en une semaine. Seigneur, j'enlève le voile. J'enlève le voile. J'enlève la sueur. Tu es parti, tu as œuvré pour les mariages des autres personnes. Tu n'es pas venu pour accompagner les femmes mariées au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu n'es pas venu pour accompagner les gens sur cette terre. Je déclare qu'on t'honore. Tout homme avec qui tu étais depuis longtemps. Je déclare qu'il t'honore au nom puissant de Jésus. Il t'honore, il t'honore, il t'honore. Seigneur, honore tes enfants au nom puissant de Jésus. Vous n'êtes pas venu ici pour accompagner les gens sur la terre. L'ennemi t'attaque de telle façon que tu n'oses même plus rêver. Tu n'oses plus rêver. Tu ne crois pas que tu peux rêver, tu trouves un manager comme ça là. Pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui a l'argent? Pourquoi il ne peut pas aussi t'aimer? Pourquoi? Peut-être qu'il y a un homme là-dedans qui cherche une femme qui est comme toi. Une femme de prière, une femme douce, une femme qui va le motiver pour qu'il travaille, pour qu'il avance, pour qu'il planifie sa vie. Et c'est tout ce que tu as. Et c'est tout ce que tu as. Écrivez cela, mon homme me localise, mon homme me localise, mon homme me localise, mon homme me localise, mon homme me localise. Oh Papa Yahweh, j'enlève l'esprit de célibat sur tes enfants ce matin. Je déclare que c'est toutes ces personnes qui m'écoutent, vous vous mariez. Et je ne savais même pas que c'est difficile pour les hommes aussi pour trouver les femmes. Tout homme ici là que tu sais que tu es prêt, reçois la femme qui a les formes comme tu aimes, la femme qui est patiente, pieuse comme tu aimes. Je déclare que l'âge n'est pas un problème au nom puissant de Jésus. Toute arme que l'ennemi a forgée contre vous, ces armes sont nulles et sans effet. Je déclare sur vous la santé parfaite. Je viens ouvrir, j'ouvre votre beauté. Il y en a ici que dans ta famille, hein, tu as déjà échoué trois mariages et les hommes avec lesquels tu étais. Tu restes comme ça, tu marches avec ta nièce, c'est toi qu'on arrête, mamie. Je dis que c'est toi qu'on arrête. Les Libanais, oh, donc, Papa Yahweh, j'ouvre, j'expose tes enfants ici à leur mari. Tout homme ou toute femme de ta famille qui est venu te bloquer, qui t'a bloqué, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué tes finances,
Je déclare que ce n'est pas trop tard pour toi. Regarde-toi bien, mamie, regarde-toi. Regarde-toi. Tu vois comme tu brilles là, non? Je déclare que quand ton homme va te voir, c'est la gloire qui va rayonner sur ton visage. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton foyer. Ton prochain foyer, ce sera un foyer de paix, d'amour. Vous êtes comme ça, vous voulez rester ensemble, seulement vous deux dans la chambre. Tu vois, tu écris ton bébé, bébé, tu me manques. Je dis qu'elle recommence à rêver, maman. Recommence à rêver. Je remets ça dans ton cœur. Papa Yahweh, je viens enlever, j'intercède pour le cœur des femmes qui m'écoutent. J'enlève tout ce que l'ennemi a mis pour les freiner, pour les ralentir, pour les décourager. Je chasse le découragement de ton esprit. Je déclare que ton corps revient. Les huiles que tu mettais avant, là, tu les mets à nouveau. Je déclare que tu reprends ton maquillage. Je mets la douceur sur ta peau. J'enlève les boutons sur ton visage. Reçois, reçois. 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 Le Seigneur me montre qu'il y a une personne ici là. Dans les prochains jours, tu vas rencontrer quelqu'un. Je vois le coup de foudre. Et tes coups de foudre avant, c'est le genre que il vient, il t'aime bien, après il part. Le genre de coup de foudre, c'est que en une semaine, il t'a acheté la bague. Je ne blague pas. Tu te sens comme une princesse. Le Seigneur me dit que vous êtes, il y en a ici, vous êtes des envoûteuses carrément. Tu as des yeux qui sont des yeux envoûteurs. Des yeux enchanteurs. Et tu as une énergie de déesse, de fée, carrément. Et ça a été abîmé par tes jaloux. Donc les personnes qui sont venues dans ta vie comme ça, et qui... Ah, te voilà maintenant, tu es seulement par là, comme ça là. Te voilà à 6 heures, tu as déjà commencé à manger. Je remets les formes de ton corps. Tu vois la forme guitare là, non? Revois ça. Donc tu vas le rencontrer et ce sera un coup de foot. Peut-être tu vas aller chez quelqu'un, il sera là. Mais dès qu'il va te voir, on me dit que cette énergie que tu as, c'est de ton cœur à la personne. Que tu es une personne qui enchante, ce n'est pas ta beauté qui enchante, c'est ton énergie. Reçois ton coup de foudre. Et cet homme que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui a déjà l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il veut cotiser l'argent pour faire ceci. Non. Je vous connecte à vos hommes riches, que vous allez enrichir encore plus. Je vous connecte, aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de business, je parle de restauration de ton énergie féminine. Je déclare que les gens vont te servir. Je restaure cette énergie féminine. Je restaure ta beauté de toi-même. On me dit aujourd'hui que quand tu vas te oindre, oint toutes les parties de ton corps. Avec amour, parle sur ton corps. Et tu arrêtes de dénigrer ton ventre, s'il te plaît. Ton ventre a porté tes rois et tes reines. Ton ventre les a portés. Donc, bénis ton corps. Mets la main sur la joue. Déclare, je me bénis. Je me bénis. Je me bénis. Je restaure mon enchantement. Je restaure ma beauté. Je me restaure. Je me restaure. Et parle, j'appelle à moi mon homme. J'appelle à moi mon âme sœur. J'appelle à moi mon âme sœur. Recevez cette personne. Écrivez vos prénoms ici. Je vais faire un rituel avec vous. Écrivez vos prénoms. Attendez, vous dites d'abord à vos marques, parce que si vous écrivez, je ne suis pas prêt. Voilà. Le Seigneur me dit de vous dire que cette bougie représente votre vie de luxe. Votre vie de luxe. Ça sent bon en plus. Ça représente votre vie de luxe. Et cette huile, voilà de l'huile. Seigneur, je déclare, toute personne qui va s'accorder avec moi, vous pouvez faire ceci vous-même après. Par cette huile, je déclare que vous appelez. Donc, vous allez pour brûler, vous allez prendre. Si vous n'avez pas bougie brillante, vous prenez la bougie blanche. Vous pointez ça vers vous. OK?
Je me connecte avec Catherine, Suzanne, Nina, Florence, Philomène, Merveille, Dumela. Je n'ai qu'à vous appeler à vous, votre âme sœur. Vous appelez à votre âme sœur. Amande, Christelle, Imelda, Delphine, Essam, Essena, Aïra, Safira, Géraldine, Émeraude, Flore, Ayel, Christelle, Josiane. Je déclare à Marise, Vivi, Rachel, Tania, Gaëlle, Viviane, Alphonsine, Fatou, Marie, Christelle, Joséphine, Aude, Noémie, Marie, Laure, Raïssa, Marie-Ange, Sephora, Ornella. Je déclare que vous attirez à vous France, Véronique, Mich, Marthe, Estelle, Dominique, Inès, Honorine, Pamela, Marline, Diane, Fleur, Inès, Lucia, Isabelle. Tu attires à toi ton âme sœur, Annie, Laura, Nicoline. Je déclare, Clem, que tu reçois ton âme sœur, Edwige, Ernestine, Edwige. Je déclare, Kevin, Fallon, Olga, Inès. Je déclare, Bintou. Toutes vos âmes sœurs, Sylvie, j'appelle vos âmes sœurs à vous. J'appelle Jimmy, Blanche, Jacqueline, Madeleine, Fatem. Je déclare, comme cette onction touche, cette huile, je déclare la restauration. Regardez comment ça brille. Je restaure votre vie de luxe. Je déclare votre vie de luxe. Imelda, Ange, Wassila. Je déclare Dorothée, même vos enfants, vos filles, Denise, Mirel, Rimirey, Fallon, Olga, Marianne, Yvette, Pascal, Florence, Noël, Marceline, Mlandry, Inès, Blandine, Claudine, Claude, Gladys, Esdra, Karima, recevez vos âmes sœurs, recevez vos âmes sœurs. Comme je viens brûler, je vais brûler ceci, cette bougie. Pendant toute cette journée, quand cette bougie va brûler, je déclare que les anges se connectent, vous connectent entre vous. Vous connectez Lucia, Charlotte, Flavie, Romaine. Je déclare Louise, Flavie, et vous êtes connectés au nom de Jésus. Méliane, vous êtes connectés. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Chantal, Ivana, Ornella, Esdra. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Mélanie, je vous connecte. Vous avez déjà écrit Mélanie, j'ai déjà lu ton nom, non? Bernadette, comme cette bougie brûle, je brûle toute barrière qu'on a mis entre toi et ton âme sœur. Tatiana, Starline, Viviane, toute barrière, Michel, Ruth, Flora, Jacobine, Alice, Lourdes, Prudence, Lucrèce, Adélaïde, Madjou, Micheline, Michel, pardon, Émeraude, Agnès, Émeraude, j'ai déjà lu ton prénom, Aurélie, Aimé, Larry, oh, Aimé, Larry. Tout trou qu'on a creusé entre toi et ton âme sœur. Nathalie, Hélène, Loris, Séverine, Awa, je viens vous restaurer. Staël, recevez votre âme sœur. Comme cette bougie brûle, vous vous rencontrez aujourd'hui. Je déclare que vous rencontrez votre âme sœur. Il vous reconnaît, vous le reconnaissez. Marie, Cécile, Catherine, Antou, Rodrigue, Lucas, Tony, Elisabeth, Tatiana, Laura, Claude, Marie. Recevez votre âme sœur, recevez, recevez. Je vous connecte, je vous connecte. Je déclare que cette personne et toi, vous vous rencontrez. Je déclare que vous reconnaissez. J'enlève le voile qui faisait qu'il ne te voyait pas. Jamie, Irène, Marie-Antoinette, et Edouardine, Nidel. Recevez Corinne, Armel. Recevez votre âme sœur, Marie Sorel, Niki Edwige, Gérard, Gérald, pardon, Sophie, Laetitia, Julie, Joali, Sophie, Sarah, Bertille, Emmanuel, Daniel, Récy, Bettina, Maël, Francine, Élisée, Bonnie, Grâce, Marlise, Brenda, Anne, Michel, Grâce, Bonnie, Priscilla, Nina, Stéphie, Emilienne. Je déclare que vous vous rencontrez, je vous connecte. Je parle aux astres, je parle au soleil, je parle à la lune, de vous connecter à votre âme sœur, Sandra, Nadine. Je débloque, je sens qu'il y a beaucoup de lourdeurs familiales sur vous. Déposez Diane, Fatima, pendant que vous écrivez vos noms, Zita, déposez la main sur la poitrine. Toute malédiction, tout démon de votre famille qui faisait que, Denise, qui faisait que vous ne vous connectez pas. Je vois ici des choses qui font que parfois, il y en a ici là que dans les 30 derniers jours, tu es arrivé, tu es presque arrivé de cette âme. Après, vous avez été éloigné. Ernestine, Pauline, Noël, Richila, Beatina, je vous connecte à vos âmes sœurs, Félie, Gisèle, je déclare que vous êtes connecté à vos âmes sœurs. Dans les 30 derniers jours, vous avez failli vous connecter. Après, vous avez été séparés. J'ouvre ta gorge pour que tu dises ce qu'il faut dire. Écrivez ici, je donne les paroles appropriées pour qu'ils me reconnaissent. J'écris les mots appropriés pour qu'ils me reconnaissent. Cindy, Cathy, Tatiana, Adassa, Miel, Roseline, Océane, Eddie, Ella, Rachel, Perol. Je déclare, Joanne, recevez votre âme sœur. Vivi, Setia, Sandra, Bintou, Morel. J'ouvre votre gorge pour que vous soyez connecté à votre âme sœur. J'ouvre votre gorge pour que vous soyez connecté à votre âme sœur.
les paroles appropriées. Mettez la main sur le front. Je m'accorde avec cette main que vous déposez sur votre front. Avec cette huile d'onction que je mets. Je mets cette huile d'onction. Voilà. Je viens mettre cette huile sur votre front. Alphonsine, Ibrahim Lincoln, Wassila, Larissa, Christine, Zeniab, Paul Noël, Alban, Diana, Gaël, Christine. Je déclare par cette huile que je vous connecte. Voilà. Je mets la faveur d'Esther sur ton front. La faveur d'Esther sur ton front pour ton âme sœur. S'il vous plaît, achetez le kit chocolat ou le kit attirance. Ça va beaucoup vous aider. Une femme a acheté le kit attirance l'autre jour. Elle dit qu'elle a acheté un de ses dragueurs. Elle lui a donné 4 millions cash au Gabon. 4 millions cash. Je déclare que ce n'est plus des choses fictives. Je vous connecte à votre âme sœur. Je vous connecte à votre âme sœur. C'est Daïdou, Samantha, Meïta, Tessila, Charity, Paul Noël, Brisella. Je déclare que tu as les bonnes paroles quand tu rencontres ton âme sœur. Nadège, je te connecte à ton âme sœur. Cathy, Anissette, Priscilla, Diane, Sharon, Élise, Félicia, Asita, La Douce, Diane, Asita, j'ai déjà prononcé ton nom. Rebecca, je vous connecte à votre âme sœur. Par cette tension, touchez votre front. Yvette, Judith, Elsa, Châtel, Gigi, Grâce. Par cette tension, Francis, Iris. Je vais faire une promotion de lavage attirance seulement. Voilà. Je vais mettre les lavages attirance à 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs juste. Tu envoies ta photo. Vous savez, j'envoie le lavage à 50 000. Mais je sens vraiment qu'il y a des ouvertures de connexion âme-sœur. Donc vous écrivez, vous envoyez, mes secrétaires vont vous enregistrer. Je vais faire un rituel pour les âmes-sœurs. Juste pour les connexions âmes-sœurs. Priscia, Eddie, Ekome. Payez aussi pour vos enfants, s'il vous plaît. Enfants, si vous avez des frères. Voilà. Germaine, Nadine, Eddie, Rita, Aïssetou, Justine, Lisette, Roselyne, Princia, Jeanne, Farida, Sandra, Amadou. Par cette flamme qui brûle, j'enlève les malédictions familiales. J'enlève de ta poitrine l'esprit de rejet. Jasmine, Audrey, Jeanne, Linda, tout ce qui faisait que vous ne vous rencontrez pas. Je déclare que tu le rencontres. Aïcha, tu rencontres ton âme sœur. Vous vous voyez, Sueli, Joelia, Nixtia. Tu rencontres ton âme sœur. Tu rencontres ton âme sœur. Malise, je vous reconnecte. Caleb, Aimé, Anthony, Jeanne-Rose, Férol, Rose, Princia. Je te connecte à ton âme sœur. À cette flamme qui brille, je mets l'abondance. Paul Noël, Rosette, Teddy, Ted, Nadine, Jeanne-Rose, Farida, Justine, Anissa, Megan, Sylvie, Laetitia, Nidel, Fidèle, Marcel, Nixtia, Lala, Sephora, Viviane, Priscilla, Olivia. Je vous connecte à votre âme sœur. J'ai bien dit 10 000 francs, oui. Je veux faire des lavages spécialement pour que vous connectiez à vos âmes sœurs. Je sens vraiment cette tension aujourd'hui par rapport à ça. Lavage connexion âme sœur, dites seulement ça. Lavage connexion âme sœur. Vous payez juste 10 000 francs. Vous, dans la bio, il y a le numéro. Prenez le numéro, faites le dépôt Orange Money. 693, donc 237, 693, 50, 22, 66. 693 50 22 66. Olivia, Bertine, Tatiana, Aladji, Roxane, Noomi, Marie-Michel, Alphonsine. Et vous précisez bien, lavage âme-sœur, connexion âme-sœur. C'est 16 euros, pas 15 euros, va me donner un truc comme 9000 et quelques. 16 euros, oui, vous envoyez par PayPal aussi. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. 0779 02 52 05. 0779 02 52 05. Au Cameroun, 693 50 22 66. Je vous connecte à votre âme sœur. Mettez les prénoms. Tatiana, Aubierge, Morel, âme sœur, oui, Alida, Tatiana, Naomi, Diana, Karine, Adassa, Annabelle, Lucia, Yasmina, Merveille. Je vous connecte, Grâce. Je te connecte à ton âme sœur. Mireille, Ange, Blanche. Je te connecte à ton âme sœur. Je vous connecte à vos âmes sœurs au nom de Jésus. Juanita, Adèle. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Patience, Nadège, Fiona, Nathalie, Nixtia, Félicien, Princia, Farida, Michel, Elodie, Joanne, Sandra. Vous savez, parfois, l'ennemi attaque beaucoup les destinées. Tu fais 3 ans, on ne te drague pas et tu ne parles pas. Donc tu penses que tu es invisible. Invisible, c'est pas parce que tu es en Europe, hein.
Il y a les hommes en Europe, ma chérie. Il y a les hommes en Europe. Par cette onction, le numéro de la Côte d'Ivoire, 0779-025205. 0779-025205. Pour le Gabon, 074. Gabon, mettez votre pays, je vous dirai. Esther, je te connecte à ton âme sœur. Vanelle, je te connecte à ton âme sœur. Mireille, je te connecte. Vivane, Marc, je te connecte. Brice, je te connecte à ton âme sœur. Nicole, Aïssatou, je te connecte à ton âme sœur. Ceux qui ont le PayPal, vous envoyez par PayPal. Vous faites la capture de que vous envoyez. Je vais faire le travail là aujourd'hui. Aujourd'hui, l'énergie de ça est disponible. Vous savez, on fonctionne avec l'esprit en fonction des ouvertures. Quand il y a une ouverture de quelque chose, vous saisissez. Vous saisissez. Je fais aujourd'hui. Ce soir, je vais faire l'aide de travail. Demain, je peux encore faire, mais aujourd'hui, je vais faire. Donc, je vais déjà dire ça à mes secrétaires. Je suis en train d'annoncer dans le direct. Je suis en train de répondre, d'annoncer dans le direct que je vais faire le lavage pour attirer les âmes sœurs aujourd'hui. Donc, c'est 10 000 francs en euros, 16 euros. Voilà. Donc, quand les gens vont connecter, écrivez, dites-leur cela. Pour le Congo, le Bénin, écrivez, s'il vous plaît, écrivez. Si vous avez des enfants, payez pour vous et vos fils là. Beaucoup de personnes vont, oh, mon fils, il y avait une femme que lavage, connaissance, âme sœur, ok. Anne Akem, je prends les noms. Cameroun, 693-50-22-66. Gabon, 07-79-02-52-05. 07-79-02-52-05. Je suis à Abidjan aujourd'hui. Je suis à Abidjan. J'ai donné le numéro d'Abidjan déjà. La prière a fait sur toi, effet sur toi, c'est super. Edwige, Marie-Ange, je te connecte à ton âme sœur. Côte d'Ivoire, j'ai déjà donné les détails. France, vous prenez le numéro. Vous écrivez au Cameroun, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un à Paris, vous pouvez lui donner l'argent. Ou bien, pour Paris, c'est délicat parce qu'elle travaille. Donc vraiment, s'il vous plaît, envoyez par l'application mobile. Donc je vous donne le numéro pour une dernière fois. Prenez de quoi noter. Je vous donne le numéro une dernière fois. 07, le Cameroun, 237. 00-237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Ok, je vais maintenant lire les noms pour les connexions âmes sœurs. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc, pour les enfants, envoyez. Vos enfants, ils vont se marier un jour, non? Vous voulez toujours attendre que l'enfant ait 15 ans ou 20 ans avant de prier pour cet enfant? Bon, Jacobine, reçoit ton âme sœur. Marie-Michel, Princia, Cheryl, Maïva, Ornella, Kiki. Tatiana France, Amadou, Jackie, Princia, Edwige, je déclare, recevez votre âme sœur. Pour le Togo, écrivez au Cameroun, on va vous donner les détails. 0779. Pour la Côte d'Ivoire, 0779-02-5205. Brandy, le numéro que tu as mis, c'est pas ça. 0779-02-5205. Pour ceux qui sont en Suisse, vous pouvez donner à quelqu'un là-bas. Elle a un numéro de compte là-bas chez vous en Suisse. Pour le Gabon, c'est 074, pardon, pour le Gabon. Gabon, 074-18-0080. Je reviens dans les noms maintenant, je continue. Vous écrivez juste lavage, connexion, âme sœur. Voilà, je continue pour les noms maintenant. Mon numéro est dans la bio. Donc, Adrienne, David, connecte-toi à ton âme sœur. Bernadette, Joël, Laure, Fatem, Michel, Princia, Vanli, Tania, Jamel, David, Adrienne, Marie-Ange, Armel, Fabrice, Yvon, Kevin, Landrine, Lucine, Estelle. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Yvette, Judith, Odette, Ornella, Flore, Christelle, Fatem, Reine, Blessing, Ayel. Je vous connecte à vos âmes sœurs au nom de Jésus. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Je vous connecte Nella Française, Paul Laetitia, Solange, David Céleste. Je vous connecte à vos âmes sœurs. Leslie, Farida, Edwige, Marjorie, Liliane, Sandra,
Raïssa, Marie, Reine, Cabrel, Aladji, j'ai déjà lu ton nom, Aladji, Jeanne-Rose, Sylvie, Stéphane, Darus, Isabelle, Nadège, je vous connecte, Ndri, Noël, je vous connecte à votre âme sœur, Liliane, Milan, Aberden, je vous connecte à votre âme sœur, Adèle, Olivia, Garcia, Laetitia, Noël, Armel, Sandra, je vous connecte, je te connecte, toi qui t'accordes avec cette prière. Je déclare qu'il y aura le luxe dans votre couple au nom de Jésus. Vous aurez le luxe. Vous voyez comme cette bougie brille. Je mets le luxe. Ton mariage sera un mariage princier. Je crois que tu vas même utiliser le thème or pour ton mariage. Si tu reçois ton mariage, utilise le thème or. Le thème or. Je mets l'abondance. Tu attires ton homme riche. Tu attires l'homme qui est riche. Comme cette bougie brûle. Mariella, Alandrine, Christelle, reçois ton âme sœur. Josiane, Michel, Blessing, Pauline Noël, Landrine, Vanique, Joséphine Marianne, Iris, Pauline Noël, j'ai déjà lu, Marie Franchette, Ruth, Fidèle, reçois ton âme sœur, Clara, reçois ton âme sœur, reçois ton âme sœur Clara. N'ayez pas honte de demander ni peur, recevez vos âmes sœurs au nom de Jésus. Recevez, recevez vos âmes sœurs. Si vous envoyez l'argent par PayPal, s'il vous plaît, par PayPal, vous devez mettre les frais, c'est-à-dire, par PayPal, vous devez envoyer peut-être un truc comme 17 euros. On ne m'envoie pas 15 euros net. PayPal va me couper des frais dessus. Donc, vous envoyez, si j'ai demandé 10 000 francs CFA, voilà, recevez. Je déclare que vos fils, imagine ton fils à 22 ans, il a rencontré son âme sœur. Imagine, imagine ma chérie, tu vas célébrer le mariage de tes enfants. Je déclare, vous-même, vous rencontrez votre âme sœur. Rencontrez votre âme sœur. Tu n'es pas trop tard, peu importe ton âge. Je déclare, Syriac, Milan, Farida, Vanessa, je déclare, tu te connectes à ton âme sœur. Marina, connecte-toi à ton âme sœur. Paul, Nathalie, je vous connecte. Je déclare que tu as dit, et si tu es déjà connecté à lui, je déclare que vous vous mariez. Je déclare, maintenant on va dans la case des mariages. Mariage, mariage. Recevez votre mariage rapide, princier. Canaël, Kenaël, reçois ton mariage au nom puissant de Jésus. Je déclare, Chandis, reçois ton mariage. Odette, Farida, Mariam, Bernadette, reçois ton mariage. Brigitte, Maëva, Sophie, je déclare que tu ne vas plus te connecter, après ça va disparaître. Tu ne vas plus te connecter à l'homme et après il va partir. Il va plus toquer la porte va se casser. Willy, je déclare sur toi, Willy, Michel, votre mariage, mariage princier, recevez l'argent pour faire votre mariage. Manuela, Marie, Zaneb, Manuela, Bintou, Nandrine, reçois ton mariage, reçois ta cérémonie de mariage parfaite au nom de Jésus. Nadine, Dimercia, Sephora, Nathalie, Marie-Michel, Florence, Dorothée, recevez votre mariage. Je brise les malédictions familiales qui vous empêchaient de vous marier dans votre famille. Landry, je déclare qu'on va plus se moquer de toi, Landry, que tu es un homme qui est, tu as tout, mais tu n'as pas le mariage. Je déclare sur vous, le mariage et la stabilité. Germaine, j'accélère la date que vous avez prévue pour le mariage. C'était prévu dans un an et demi. Je déclare que vous vous mariez dans 3 semaines, au nom de Jésus. Zeynab, Florine, mariage princier. Inès, Niki, Edwige, Maëva, Denise, Mireille, mariage princier. Je déclare, vous allez m'envoyer seulement les invitations. Vous allez payer mon billet d'avion. Oh, viens te marier. Oh, viens voir ton mariage, mon mariage. Oh. Je déclare que vous-même vous recevez. Victoire. Je déclare, vous recevez, vous recevez. Va rencontrer votre menguiste. Quand il arrive, il fait toutes les cérémonies nécessaires. Il fait tout ce qui est nécessaire. Je déclare qu'on ne va pas toquer la porte, la porte va se casser. Je déclare qu'on ne va pas toquer la porte, on va fuir. Cette fois-ci, il fait tout, il fait tout. Mairie, oh, église, oh, tout, 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 tout. Écrivez tout, tout, tout. Mélanie, reçois ton mariage. Inès Félie, reçois ton mariage. Tout, Fallon Olga, vous devez être exigeant sur l'esprit. Et soyez exigeant quand vous demandez quelque chose. Tout, 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 recevez l'abondance. Votre homme riche, recevez, recevez. Tout, tout, tout ce dont vous êtes, tout, au nom de Jésus, T-O-U-T, s'il vous plaît. Alphonsine, Alphonsine, reçois ton mariage. Reçois ton mariage, Corinne. Alida, reçois ton mariage. Il fait tout, il fait le mariage coutumier. Mariage à l'église, il fait tout. Mariage état civil, reçois. Je déclare que tu es honoré. Tout ce qui te déshonorait, ma chérie, tu vas porter ta robe blanche. Christine Léonie, tu vas porter ta robe blanche. Tu vas porter ta robe blanche. Tu vas porter ton mariage, ta robe blanche. Il va faire tous tes papiers. Tu vas aller rester avec lui là où il se trouve, au nom de Jésus. Reçois ton mariage, reçois. Et même si c'était en train de dandiner, je confirme cela au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, il se réveille, sa tête tourne comme ça là. Bah, bébé, on se marie, non. Bébé, on tourne même. Pourquoi on attend quoi, chérie? Reçois ton mariage, reçois ton mariage, reçois ton mariage. Toute jalousie de ta famille qui avait bloqué ton mariage, je déclare que cette jalousie ne te localise plus au nom de Jésus. Recevez tout, 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 tout. Je
déclare que tu vas porter ta robe blanche. Nicamor, Michel. Je déclare, Michael. Je déclare, mettez les noms seulement. Vous allez vous marier au nom de Jésus. Je déclare sur toi, Gaël, tout, confiance, tout, toutes les cérémonies. Ce n'est pas déjà que vous restez ensemble 10 ans. On fait un petit mariage au coutumier. Après, on fait 10 ans, on fait le mariage à la mairie. Tout, tout. Je déclare que tu as la confiance de ton époux, de ton fiancé. Au nom de Jésus, je déclare, tu seras tellement belle pendant ta cérémonie. Oh, on va venir danser. On va danser. On va danser. On va danser. Recevez, recevez tout, 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 tout. Justine Latour, reçois ton mariage. Reçois, reçois ton mariage princier. Inès, reçois ton mariage princier. Chérie, Chéril, reçois. Armel, Armel, reçois. Syriac, Sula Angoué, reçois. Edwige, Marie-Ange, Alida. J'ai allumé cette bougie avec des intentions. Quand vous abordez, vous donnez votre nom. Je déclare sur vous, Aurélie, mes anges vous localisent. Reçois ton mariage, reçois. Tu n'auras plus honte. Ode Noémie, Ode Noémie, Inès Nadège. J'enlève, j'enlève. Oui, j'enlève. J'enlève la honte sur toi. Mariette, Eriam, Marie-Ange, Séverine, Espérance, Nadine, Laetitia, Blanche, je déclare votre mariage princier, votre mariage plein princier, au nom puissant de Jésus. Vous allez faire tout, 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 mairie, coutumier, tout, tout, j'ai dit tout, tout. Tu rencontres le gars, oh bébé, tu sais, tu crois qu'il veut faire comme l'ancien gars que tu avais eu? Il te dit non, moi quand je veux honorer une femme, je vais faire tout, hein. Je vais faire tout, mes chéris. Tu es une princesse. Il va t'appeler toujours ma princesse, ma reine. Recevez. Odette, Farida, Feza, Linda, Sylvie, recevez, recevez. Reçois ton mariage. Landrine, Marilyn, même si c'était... On avait mis en stand-by. Je remets ça sur la table. Il se lève ce matin et dit, chérie, pourquoi on fait pas pourquoi on se marie pas, chérie? Mes chéris, Rose, Paul, Laetitia, Sandra, recevez, recevez. Frida, recevez, recevez. Je viens vous bénir, je bénis vos mariages. Je bénis vos mariages, je bénis vos mariages. Au nom de Jésus, Christelle, Sandra, je bénis vos mariages. Je bénis vos mariages. Urich, je bénis vos mariages. Au nom puissant de Jésus. Nick, Élisée, reine exaucée. Reine, ça veut dire quoi? C'est ton nom? S'agit. Wilma, Joseph, Lionel, reçois ton mariage. Reçois, reçois. Je mets la lumière sur toi, je mets la lumière. Partout où on t'avait enterré, tout talisman que ta famille avait enterré pour empêcher que tu te maries, je déclare que ce talisman est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Vic, Rosia, Laure, Farida, reçois, 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 reçois. Comme tu t'accordes avec moi maintenant, je déclare que ton mariage, tu le reçois. Reçois ton mariage. Reçois Grâce, Landrine, Michel, Carole, Christine, Léonie, reçois Nancy, reçois ton mariage. Fleur, Inès, Chloé, Eddie, il n'est jamais trop tard pour se marier. Je déclare que tu reçois ton mariage. Marianne, au nom puissant de Jésus. Mireille, Mathieu, Sandrine, je déclare. Sangi, Sagi, Johanna, Jeanne-Rose, reçois. Stéphanie, Fatem, reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Marie-Antoinette, regardez bien. Touche ton pouce comme ça là. Touche ton ce doigt s'appelle comment? Annulaire. C'est ça, non? Auriculaire ou annulaire? Aidez-moi s'il vous plaît. Je déclare, reçois ton mariage, Olivette, 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 Alima, félicité, félicité, Nelly Frances, reçois ton mariage, reçois, reçois, reçois. Pointez-moi ce doigt-là, pointez-le, s'il vous plaît. Fallon Olga, reçois ton mariage. Je déclare que tu reçois ton mariage. Tu reçois ton mariage. Reçois, 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 reçois. Que ton annulaire soit porte ta bague. Que ton annulaire porte ta bague. Au nom de Jésus. Que ton annulaire porte ta bague. Au nom de Jésus. Milan, reçois. Milan, Milan, reçois. Recevez, recevez. Stéphanie, recevez. Ernestine, merci pour ceux qui ont répondu annulaire. Recevez. Touchez votre doigt comme ça. Tu parles, parle à ce doigt. Que tu vas recevoir ma bague de fiançailles. Et quelques jours après ma bague de mariage, je déclare que je serai honoré. Je ne suis pas venu accompagner les autres femmes sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner les autres hommes sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner. Je déclare mon mariage, je le reçois. 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 Recevez vos mariages. Recevez, 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 recevez. Stéphanie, Châtel, Tania, recevez. Vous allez toutes vous marier. Les bagues ne sont pas finies chez le bijoutier. Hein? Les bagues ne sont pas finies chez le bijoutier. C'est quoi? Vous avez peur de quoi? Recevez votre mariage. Recevez, recevez, recevez. Rokia, reçois. Suzanne, reçois. Reçois, reçois. Florence, reçois. Aïcha, reçois. Recevez votre mariage. J'ai allumé cette bougie comme ça brûle.
par la puissance du Saint-Esprit. Ce feu vient brûler toute malédiction, tout mari de nuit qui t'empêche de te marier, toute incantation faite contre toi, Landrine, Diana, l'incantation faite contre vous pour empêcher que vous ne vous mariez. Recevez, 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 connectez-vous, vous recevez. Nadège, je déclare, vous voyez comment ça brille, non? J'ai préféré prendre la bougie en or, là, pour mettre de l'argent aussi. Donc tu reçois mariage et argent. Mariage et argent. Mariage avec un homme riche, promotion, argent. Christelle, Yvette, Marie-Laure, je déclare toute malédiction qu'on a mis dans votre famille pour empêcher que les femmes se marient. Je débloque maintenant. Je brise. Je déclare André, Christella, Myriam, Sarah, ces enfants vont se marier sans avoir de soucis avec des hommes et des femmes riches. Zosiane, reçois. Reçois. Suzanne, Suzanne, comment tu vas? Hey, Suzanne. Je recevais, recevais, recevais. Olenou, Lucia, les personnes qui avaient abîmé vos mariages. Tu sors d'un divorce, d'un mariage, tu ne veux même pas entendre parler de mariage. Je remets, je te reconnecte. Je te reconnecte à un homme qui va exaucer tes voeux. Un homme qui va te... Ce n'est pas interdit de rêver. Mariage et argent, recevez. Mariage et argent, recevez. Recevez, recevez. Farida, recevez. Karima, recevez. Mariage et argent, recevez, 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 recevez. Ton espoir ne sera pas coupé. Ton espoir ne sera pas coupé. Tu ne vas pas espérer quelque chose en vain. Pierre Célestin, tu n'espéreras pas quelque chose en vain. Au nom de Jésus. Michel Dalis, vous n'allez pas espérer en vain. Vous n'allez pas espérer en vain. Ah, tu crois que tu es qui? Tu crois qu'un bendis va venir, va laisser toutes les belles filles, va te prendre. C'est toi qui vas prendre. C'est toi qui vas prendre. Recevez, recevez, recevez votre mariage. L'onction de ce matin est, Dieu m'a révélé que c'est le mariage aujourd'hui. Oh. Marie-Ange, reçois ton mariage. On va célébrer. Hé, hé, hé. Il y a l'espace à ma cape. Oh. Pardon, si vous vous mariez, j'ai l'espace chez moi. Je vous donne la salle gratuitement. Vous avez suivi, non? Vous ne me payez pas. Vous venez vous faire votre mariage. Vous avez vu mon endroit qui est là-bas, non? Oui. Vous louez vos chaises, vous habillez l'endroit. Je vous donne gratuitement. Vous suivez bien. Voilà ma parole. Tu avais dit dans le direct que tu me donnes ta maison gratuitement, non? Oui. Je le redis aujourd'hui. Parce que parfois vous êtes bloqué parce que oh, on n'a pas l'espace pour se marier. Venez chez moi faire votre mariage. J'ai 250 mètres carrés derrière chez moi là-bas. J'ai des carrés, c'est tout. C'est là, c'est libre. Voilà. Écoutez bien, enregistrez la vidéo aussi. Voilà. Vous avez compris, non? Vous savez que j'aime l'argent. Mais pour l'autre là, ce sera mon cadeau de mariage pour vous là-bas. Recevez votre mariage, recevez, 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 recevez. Mariage, argent, faveur. Mariage, argent, faveur. Recevez. Aïcha, Apolline, recevez. Mariage, argent, faveur. Mariage, argent, faveur. Recevez. Lisanne, recevez, 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 recevez. Peu importe le nombre d'échecs que vous avez eu dans vos mariages, je déclare que ça ne sera plus votre portion au nom de Jésus. Ça ne sera plus votre portion au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Recevez, oh, recevez, recevez. Mariage, argent, faveur. Mariage, argent, faveur. Je dis que ton gars va t'aimer. Ton gars va t'aimer. Tu as réservé pour janvier, d'accord. C'est réservé. Il n'y a pas de problème, Ren Foster. Mariage, argent, faveur. Morissette, reçois. Farida, Aïda, reçois. Déborah, reçois. Claude Châtel, reçois ton mariage. Mariage, argent, faveur. Ida, Ida, Flore, reçois. Mariage, argent, faveur. Mariage, argent, faveur. Quand tu connais qu'il y a la faveur, c'est quand vous prévoyez, l'argent vient, tout se met en place. Je déclare, mariage, argent, faveur. Recevez. Recevez, reine exaucée. Ah d'accord, je m'excuse ma chérie. Reine exaucée, reçois ton mariage, argent, faveur. Reçois, reçois, reçois. Comme cette bougie est en train de brûler, comme ça est en train de brûler là. Je déclare que ça brûle toutes les malédictions familiales qui te bloquaient depuis. Toutes les malédictions familiales jusqu'à la 7e génération avant toi, qui te bloquaient, qui empêchaient que tu ne sois, que tu ne te maries. J'enlève, mariage, argent, faveur, je mets sur toi. Anne-Marie, Julia, mariage, argent, faveur. Mariage, argent, faveur. Vos noms, rêve, Marlène, comme je prononce ça. Georgina, j'envoie les anges. Diana, Hollande, Julia, Jacobine, Nina, Katia, Sarah, Florence. Je déclare mariage, argent, faveur. Linda, mariage, argent, faveur. Ma chérie, ma copine, oh, hey, ma copine, ma copine. Le Seigneur me dit que tu as le cœur durci parce que tu n'as pas l'amour devant toi. Il me dit que dans les prochains mois, tu vas découvrir une facette amoureuse de toi que tu ne connaissais pas. Je vois une femme ici là que tu vas te transformer. On va voir le rond de tes yeux qui est noir là, ça va se transformer en cœur. Ce sera le cœur plutôt dans tes yeux. Mariage, argent, faveur, Marie-Ange, oh. Marie-Michel, c'est quoi avec les maris? Marie-Michel, Josiane, reçois ton mariage, reçois ton argent, reçois ta faveur, la joie. Mariage, argent, faveur, bonheur. Écrivez, mariage, argent, faveur, bonheur. Christelle, Suzanne, reçois. Joël Karen, reçois. Morane, reçois. Sarah Princesse, on est là, reçois.
reçois. Mariage, argent en faveur, recevez. Le lavage, c'est 10 000 francs pour aujourd'hui. Mariage pour âme sœur, mariage, argent, faveur. Je vais faire le lavage, je vous enverrai. Recevez. Nina Florence, mariage, argent, faveur, bonheur, recevez, recevez. Bonheur tous les jours de votre vie. Charlotte, reçois. Fallon Olga, reçois. Recevez, reçois. Je suis à Abidjan, je suis à Abidjan. Mariage, argent, faveur, bonheur. La douce reçoit, reçoit Fatou, reçoit, reçoit. On ne laisse pas un détail. Mariage, faveur, argent, richesse, prospérité. Christelle, reçoit, reçoit. Je te connecte à ton âme sœur. Si depuis là, il ne parlait pas, je déclare, dans les 24 prochaines heures, il te retrouve, il te propose, au nom puissant de Jésus, Niki Edwige, bijoux, recevez. Mariage, argent, faveur, richesse, recevez, recevez. Angèle, bonheur, Asita, recevez, recevez. Marie-Ange, 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 mariage, argent, faveur, bonheur, recevez, recevez. Olivette, Ansara, reçoit. Johanna, reçoit. Annick, reçoit. Rafatou, reçoit. Benazine, Gladys, reçoit. Mettez les noms de vos amis. On s'accorde ensemble pour eux. On intercède pour eux. Mariage, argent, faveur, bonheur. Marie-Michel, reçoit, reçoit, recevez au nom de Jésus. Fatou, Wilma, Dolia, Sanita, Mireille, recevez, 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 recevez. Je déclare une overflow, abondance excessive de faveur, abondance excessive de grâce. Vous voyez l'or, non? Le thème de votre mariage sera l'or. Mariage, argent, faveur. Je te remets de l'espoir dans ton cœur. Nadine, Adriel, mariage, argent, faveur. Andrine, Amel, Sylvie, Assa, reçoit. Emmanuel, reçoit, reçoit. Julienne, Nzinga, reçoit. Mounira, Clarisse, reçoit. Dominique, reçoit, reçoit, recevez. Dorcas, Rachel, Prisca, Eunice, recevez. Sandra, reçoit, reçoit. Sandra, reçoit, recevez. Hermine, Gladys, Valdi, Varic, recevez. Claude, reçoit, au nom de Jésus. Mariage, agent, faveur. Viviane, Rodrigue, Rafatou, Annick, Daniel, Alice, Malik, recevez. Le mariage, la faveur, l'argent, Odette, j'envoie mes anges vous protéger. Vous donnez le mariage, la faveur, le bonheur, la richesse. Samantha, Agathe, Lucia, Christy, Adissa, Cassidy, David, Landry, Josepha, Hélène, Manuela, Cassidy, Myriam, Marlène, mariage, argent, merveille, Clémence, Nadine, faveur, Josiane, Belly, Nadine, Joël, Agathe, Mireille. Je déclare Stéphanie, Madeleine, Ornella, Kiki, Ophélie, Fatou, Claudine, Clotilde, Jennifer, Nazifa, Sissi, Farène, Joël, recevez, Kelly, Claudia, Nicole, mariage, argent, faveur, faveur, richesse, bonheur, bonheur dans ton mariage. Chantal, Jasmine, Odette, Rebecca, Aïssatou, recevez. Mariage, agent, faveur. Sonia, Sarah, Ansara, Lara, Donna, recevez. Mariage, agent, faveur. Ernestine, Edwige, Suzy, Caroline, Inès, recevez, recevez, recevez. J'enlève l'esprit de rejet. J'enlève les maris de nuit sur vous. Mariage, agent, faveur, recevez. Aimé, Yvette, Mathilde, recevez. Roxane, Eddy, Assita, Catherine, Kendall, Nadine, Marie-Louise, Cherita, Charlotte, Clotilde, au nom de Jésus, Charlotte, Chéron, Adèle, Benazir, Rafatou, recevez mariage, agent, faveur. Je déclare au nom de Jésus, comme vous accordez avec moi, vous recevez. J'ai dit aujourd'hui que je vais faire le travail d'aujourd'hui, le lavage aujourd'hui que je vais faire, c'est pour la restauration. Donc rencontrer son âme sœur, se marier, mariage, agent, faveur, c'est 10 000 francs en promotion. Normalement, les lavages, c'est 50 000. Aujourd'hui, spécialement, je l'ai fait pour 10 000 francs seulement. 10 000. Donc, vous envoyez les photos, même vos enfants là. Envoyez. Mariage, agent, faveur. Niki, Edwige, Laurence. Vous envoyez au Cameroun, vous écrivez au 237 6 93 50 22 66. Séraphine, Hollande, Mélissa, Samira, Laurence. Je déclare, recevez le mariage. Charles, Natacha, reçois ton mariage. Roland, Farida, Marguerite, Adeline, Florence, Adeline, reçois, recevez au nom de Jésus. Tout esprit de rejet sur vous. Je déclare votre divorce. D'avoir tout esprit, vous savez que parfois il y a les maris de nuit, voilà, maris de nuit, maris spirituel. Recevez, 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 recevez. Le numéro c'est le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Cette bougie en or, je l'ai allumée juste pour le mariage. Juste pour le mariage. Tout ce qu'il y avait dans votre corps qui empêchait que vous ne vous mariez, j'enlève. Jeannette, Maïmouna, Thérèse, Karine, Andrea, Christelle, Thérèse, Michel, Carole, reçois ton mariage. Prisca,
Tu peux payer sans les frais, pourquoi? Tu achètes souvent mes produits. Tu sais que mes lavages, c'est 50 000, ma chérie. Et je mets la promotion à 10 000 francs, tu demandes avec les frais. Yay! Victorine, Thérèse, Mélissa, Mireille Mathieu, Rêve Marlène, Mélissa, Vicky, Muriel, recevez, recevez. Tu peux aussi envoyer pour toi et pour ton gars. Pour toi et pour ton gars. Ok? Et quand tu envoies, tu mets, tu demandes qu'on mette vos deux photos ensemble. Tu mets et tu précises le monsieur. Ok? Que ce ne soit pas le mari de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui a la volonté déjà d'être avec toi, parce que je refuse de faire les contrôles, je ne contrôle plus, je refuse. Je peux, mais je refuse. Je peux faire les retours d'affection et tout ça, là, je ne veux pas. Je n'aime pas manipuler les gens dans le spirituel négativement. Par contre, si il est venu, il s'est engagé avec toi, après, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il t'a fui. Alors que tu sais, il y a peut-être des femmes que ton mari est parti. Restauration maritale. Quand c'est ton mari et que vous n'avez pas divorcé, c'est toujours ton mari chéri. Ok? It is your husband. C'est ton mari. Voilà. Moi qui ai payé le lavage pour ce mois. Non, c'était si. Ça, c'est le lavage mariage. Le lavage déblocage, c'est différent. Donc, si tu as payé le lavage pour ce mois, ce n'est pas la même chose. Tu peux payer un lavage mariage. Aujourd'hui, c'est seulement le lavage mariage, mes chéris. Vous avez compris? Juste le mariage lavage. Le lavage mariage. Juste le lavage pour le mariage. Oui, juste ça. Je sens aussi beaucoup de femmes ici là que ton cœur était dur. Tu avais la carapace autour de ton cœur. Tu n'acceptais pas qu'on aime. On t'aime, pardon. Tu n'acceptais pas qu'on t'aime. Ce lavage va aussi beaucoup adoucir cela. Même si tu n'y crois pas. Hein. Oui, vous envoyez la photo de lavage par WhatsApp sur le 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Voilà les brillants sur mon corps partout. Voilà. Ceci symbolise les voiles que j'ai enlevés sur vous là. Enlève les voiles sur vous, les voiles. Voilà. Vous voyez comment mon corps brille, non? Oui. J'enlève les voiles sur vous. Donc je vais recommencer à lire les noms bientôt. Donc je vous ai donné tout ce qu'il fallait. J'espère que c'est bon. Pratiquez ce que vous connaissez déjà. Faites déjà ce que vous connaissez. Vous aimez trop de connaissances, mais vous n'appliquez pas. Le peu d'enseignement que je vous donne, même si c'est le sel, si tu mets en pratique, tu vas avoir les changements. Vous voulez beaucoup de choses sans mettre en pratique. En Côte d'Ivoire, le numéro c'est le 0779. 02 52 05 07 79 02 52 05. Si mon corps est sale, le lavage et mariage marchera. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si ton corps est sale, si tu es en règle, je peux toujours te laver pour ce traitement que je vais faire. Voilà. Il y a un homme qui dit, bain de sel sur votre conseil a brisé puissamment le joug. Amen, amen. Au Burkina, j'ai un numéro pour le Burkina. Mais je préfère envoyer votre... Je fais d'abord le travail comme ça là. Écrivez sur le numéro 237, s'il vous plaît. Peu importe le pays, c'est plus facile. 237 693 50 22 66. J'ai aussi PayPal. Vous pouvez payer par PayPal. PayPal, c'est Aurélie Michel. A-U-R-E-L-I-E. A-U-R-E-L-I-E. Aurélie Michel. M-I-C-H-E-L-L-E. 2017. Donc, 2017. Aurélie Michel 2017. @gmail.com. Ça, c'est PayPal. Pourquoi est-ce que je porte des coquillages? Ça n'a absolument rien à voir, s'il vous plaît. OK, Yot. Absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Donc, je précise ceci. Voilà la bougie que je suis en train de brûler. Avant de brûler cette bougie, l'intention était que je m'accorde, je vais recommencer à lire les noms, ok? Les blocages que vous aviez. La pierre bâtisseur, tu n'es pas bloqué pour que tout le monde ici, tu as compris, non? Dans le sens que tout ce que je fais ne marche pas, donc je me pose la question. Pardon, je crois que tu viens de tomber sur ma page. Tu crois que tu es bloqué pour que qui? Tu es sale pour que qui?
Il y a que certains sur ton corps qu'on ne peut pas laver. Parce que vous avez souvent montré que non, ma part là, mon blocage là, c'est le helele. Il y a helele sur toi quoi. Hmm? Il n'y a aucun blocage qu'on ne puisse débloquer. Hein? Parce que quand Dieu crée quelqu'un, la personne est débloquée. Maintenant, ce sont les hommes et le manque de connaissances de ta famille qui mettent le blocage sur toi. Oui. Ce sont eux qui mettent le blocage sur toi. Peut-être on ne te lave pas. Il n'y en a pas mis. On n'a pas travaillé sur vous depuis. Imagine, tu as 35 ans, on n'a jamais travaillé sur toi. Hein? Imagine alors. Ça veut dire que tu as 35 ans, sans compter que tu nais avec les blocages de tes parents d'abord. Avec les blocages de papa, de maman, de grande soeur, de ceci, de cela. Donc tu es chargé négativement. Maintenant, le lavage, je sais que je demande de faire tous les jours, c'est la base parce que ça enlève beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Le numéro du Cameroun, c'est le 237. Et pour tous les pays, je vous en prie, écrivez à ce numéro. Plus 237, 693, 50, 22, 66. Mon numéro est dans ma bio, la bio de TikTok. Donc aujourd'hui, j'ai les promotions sur les lavages de mariage. Dieu m'a levé sur le mariage seulement. Vous savez que je parle très peu du mariage. Mais je vous ai dit que depuis un certain temps, je suis en train de préparer l'école du mariage. On vous enseignera chaque semaine pour le mariage. Et c'est plein de personnes qui vont faire, c'est surtout pour les choisis. Parce que beaucoup de choisis, votre vie maritale est attaquée. Beaucoup, vous n'avez plus espoir. Et beaucoup de choisis, vous venez des familles où il y a les jougs, les malédictions sur les générations qu'on a dit que les femmes ne vont pas se marier. Donc si tu es au Maroc, tu envoies ton argent par Western Union. Donc 237 693 50 22 66. 693 50 22 66. Ceux qui veulent pousser un peu plus, prenez le kit chocolat ou le kit attirance. Les kits là parlent d'eux-mêmes. Ça, ce sont les produits que je vends. Maintenant, j'ai mis le lavage à 10 000 pour ceux qui disent que je n'ai pas l'argent. Beaucoup. Donc, en Côte d'Ivoire, le numéro, c'est le 07 79 02 52 05. Les personnes qui sont déjà mariées, pour mettre l'harmonie. Si vous êtes déjà marié, je peux mettre l'harmonie dans votre foyer aussi. 07 79 02 52 05 Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, mais c'est pas, je ne vois pas les gens physiquement. Ce n'est que les personnes VIP, donc les personnes avaient trop de travail à faire là. Ce n'est que cela. Donc consultation aussi, les consultations continuent leur cours. Oui, tu peux écrire au Cameroun et tu envoies l'argent au Gabon. Oui. Le numéro du Gabon, c'est le 074 18 00 80. Retenez, 074 18 00 80. Donc, je continue. 074 18 00 80. Je fais des travaux à distance. Oui. Bon, on fait la promo des consultations. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse promo des consultations, parce qu'on peut lancer ça pendant 2 jours. Je viens d'arrêter une promotion hier. Promo consultation. On met à combien? Vous savez que mes consultations, c'est normalement 80 000. Dites-moi raisonnablement ce que vous voyez. Dites-moi alors. Non, je ne peux pas faire la concession à 10 000, mamie. 20 000 Côte d'Ivoire. Ah! Oui, je vois, papa. 7 000. Wonderful. Ok. Connais. Je vois que j'ai beaucoup. Avril Chourat, tu as dit 50 000. Je rappelle que je consulte à 80 000. Bon, ce que je vais faire, c'est quoi? On va mettre les consultations à 50 000. Mais je vais aussi ouvrir l'option de 20 000. 50 000, ce sera les VIP. 20 000, donc, si tu peux me contacter, tu as 45 000. Tu donnes. Mais ça doit se faire dans les 48 heures.
c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Parce que vu l'affluence des personnes qui aura, je ne pourrai pas vous consulter tous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un appel en commun. Donc nous sommes trois à consulter. Vous me suivez? Ceux qui paieront 50 000, là vous serez sûr que vous pouvez me parler personnellement. Les autres de 20, même 10 000, vous pourrez toujours parler à quelqu'un. Maintenant, les personnes qui consultent, ce sont les personnes à qui je fais confiance et qui ont des dons et des pouvoirs et qu'on travaille ensemble. Ceux qui ont déjà parlé avec M. Alain, vous savez. Maintenant, pour les gens qui vont payer 10 000, on va juste lire votre énergie. On vous enverra votre lecture. 10 et 20 000, on va vous lire. Parce que quand je vous connais, vous venez dans la paix, vous tardez trop, vous durez, vous voulez casser les oreilles des gens. Si j'ai, supposons j'ai 20 personnes à consulter aujourd'hui et que toi tu as payé 10 000, tu viens, tu me perds le temps. Tu vois que je ne peux pas te rester avec toi longtemps. Ok? Voilà. Donc, voilà le code que vous allez leur donner. C50. Ça, c'est pour ceux. On saura que vous étiez dans le direct. Je vais dire ça à mes employés comme s'ils sauront. Bonjour, je suis en train de lancer une autre promotion. À part le lavage que j'ai mis à 10 000, lavage mariage que j'ai mis à 10 000, je suis en train d'ouvrir les consultations. Donc, quand quelqu'un écrit, il dit seulement que c'est 50. Si la personne paye 10 000, on va lui lire son énergie. S'il paye 20 000, on saura comment lire pour 20 000. Et quand vous demandez, vous envoyez l'argent, s'il vous plaît, précisez dans quel domaine. Donc, posez une question pour ceux qui vont donner 10 000 et 20 000. 10 000, une question. 20 000, deux questions. 50 000, donc je quitte de 80 000 à 50 000. Ça, c'est 50 000, c'est pour la consultation pleine qui sera faite par deux d'entre nous. Donc, ce sera un appel, on sera ensemble pour te parler. Donc, 10 000, tu donnes une question. 20 000, deux questions. Maintenant, C50, C50, c'est le nom de la promo. Donc, tu dis C50, si tu donnes 10 000, on sait que c'est une question. Tu dis, est-ce que tu poses ta question? On va regarder, on va te dire. 20 000, deux questions. Ok? Et généralement, on ne peut pas répondre à ta question sans lire ton énergie. Mes consultants sont trop généreux. Parfois, quand ils voient son crépé 10 000, ils exagèrent dans les consultations qui m'ont arrêté. Voilà. Maintenant, 50 000, c'est pour parler à deux consultants. Donc, il y aura deux expertises sur vous. Voilà. C50. Donc, tu fais C50, 10 000. Mais je suis en train de faire le voice à mes gens. Elles connaîtront. C50, 20 000. Elles connaîtront. Maintenant, tu écris C50, 50 000. Je vais te parler aujourd'hui. Maintenant, ceux qui ont payé depuis deux jours, j'étais souffrante. Regardez sur ma bouche. Regardez. Vous voyez ça? Vous avez vu, hier, je n'ai pas fait le direct, non. Donc, depuis le 4, la fin comme ça, là. Donc, depuis le 4, je n'arrive pas à consulter quelqu'un. J'ai pu forcer, j'ai fait les lavages avant-hier. Donc, vous avez déjà reçu. Aujourd'hui, je vais faire le lavage pour les mariages. Je suis un homme-femme. Tu as compris? On m'a mis des seins, mais en fait, j'ai un truc en bas. Ok? J'ai mis des seins. Ça, ce sont les seins. J'ai fait des implants. Ok? Ça répond à ta question? D'accord. Bon, j'espère que tout le monde a compris. Donc, prends notre de mariage, pardon. Je suis un homme, mais avec les implants. Voilà, continuons. Mettez les noms ici, là, pour le mariage, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit C50 et vous écrivez C50, 10 000, C50, 20 000 ou C50, 50 000. Profitez-en pour faire les lectures d'énergie de vos enfants. S'il vous plaît. Ok? Bon, on reprend. Lavage, mariage, 10 000. Lavage, mariage, 10 000. Bon, on relance. Reine exaucée, reçois ton mariage. C50, 50 000 et tout ça, là, vous écrivez en inbox. Vous donnez vos détails, vous payez et puis dès que je finis le direct, on va commencer les consultations. Vous écrivez C50, 10 000. Vous écrivez dans le message, dans ma bio, vous avez le lien pour écrire. Dans ma bio, vous avez le lien. Je redonne les numéros.
Une minute, je vous donne les numéros, pardon. Si vous êtes marié, envoyez pour vous et pour votre mari. Mariage pour reconnexion d'amour. Ok? Je donne les numéros de téléphone et je prends vos prénoms. Cameroun, qui est le numéro du général pour tout le monde, 237 693 50 22 66. Donc 237, qui est le numéro général, 693 50 22 66. 237 693. Stécie, tu dois écrire pour demander ton truc, tu as compris? 237 606 93 50 22 66. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. Un numéro TapTapSend. God Live, tu peux envoyer sur TapTapSend aussi. TapTapSend marche avec le numéro de la Côte d'Ivoire. Plus 225 07 79 02 52 05. Le numéro MTN. Le numéro MTN est le suivant. 680 71 0701. 680 71 0701. Ton annulaire démange. Ah, le travail qu'on a fait est en train de marcher. Je veux dire que j'ai allumé la bougie. Toute la bougie s'y doit brûler pendant qu'on est en train de faire ce travail. Waouh! Voilà le faux profil là qui s'est pointé dans mon direct. Waouh! Quelle audace! Bonjour à toi! Voilà de Give Down Girl Academy. Je vous ai déjà dit sur Facebook qu'il y a un arnaqueur qui prend mes photos et qui vous écrit. Et vous connaissez que mes numéros sont sur ma page. Donc la personne s'est pointée dans mon live. Bonjour! Bonjour. Voilà le faux profil dont je vous parle tout le temps. Donc quand quelqu'un va vous écrire et vous demander, cette personne passe le temps à demander aux gens ce qu'ils ont acheté chez moi. Et la personne passe le temps à harceler les gens. Paye vite, paye vite. Mais les anacas ont le culot de nos joueurs. Ah! Tu prends ma photo, tu fais la nappe avec moi et tu te prends dans mon direct. Jesus is Lord. Wow. Je vais donner les noms, mais vous allez donner les noms. Ok? Vous allez me donner les noms maintenant. Non, laissez répondre. Continue de répondre, s'il te plaît. Voilà le profil de l'anaqueur là. Donc, je vous ai dit souvent qu'il y avait quelqu'un qui prenait ma photo pour vous écrire. Donc, avant de répondre pour qu'il vous prenne de l'argent, en tout cas, si ça vous plaît de lui donner, ce n'est pas de souci. Bon, on continue sur notre travail. Léandre, oui, ils t'ont envoyé une Léandre, je te demande sur Facebook, ils font ça. Graceline, reçois ton mariage, reçois ton mariage. Giorgino, reçois ton mariage. Stéphanie, reçois ton mariage. On est là, reçois ton mariage. Mireille Mathieu, reçois ton mariage. Lucia, reçois ton mariage. Sorel, reçois ton mariage. Sarah Mélodie, reçois ton mariage. Elsa, reçois ton mariage. Le faux profil m'a invité en ami. C'est comme ça. Bonjour Rachel, Yvette, reçois ton mariage. Estelle Dominique, reçois ton mariage. Reçois ton mariage, reçois ton mariage. Donc, j'ai dit que les lavages se feront aujourd'hui. Lavage pour le mariage. Michel Carole, Naomi, Fatou, Simone et Samuel. Waouh, Simone et Samuel. Je viens sceller votre union. Esther, Thérèse Pascal, reçois ton mariage. Lydie, j'ai précisé que pour demander le mariage, si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous êtes,
Vous pouvez donner les deux noms en même temps. Fallon Elga, reçois ton mariage. Émilie, Laure, Méliane, Gabi, reçois ton mariage. Edwige, Céline, Joséphine, Giovanni, Anaïs, reçois ton mariage. Rokia, Magali, Xavier, reçois ton mariage. Georgina et Terence, recevez votre mariage. Melinda Christophe, Obiang, Eric Bekale, recevez votre mariage. Amel Clémence, recevez votre mariage. Recevez votre mariage. Recevez votre mariage. Recevez, recevez. Yann et Xavier, recevez. Georgette, Ellie et Yves, recevez. Flore et Landry, recevez. Claudine, Sylvie, Nancy et Serge, recevez. Raïssa et Eric, recevez. Ernestine et Samy. Cette bougie, je l'ai allumée et les intentions à mes guides, c'était de tout nom que je prononce pendant que cette bougie est allumée. S'il y a n'importe quelle incantation qu'on a fait pour que votre mariage ne marche pas, ou pour que tu ne te maries pas, ou pour gâter ton mariage, les incantations sont annulées au nom de Jésus. Vanessa et Samuel, reçois ton mariage. Edwige et Alpha, reçois. Amadou, Adeline, Georgette et Yves, recevez. Linda Mappa, reçois tes enfants que tu veux concevoir. Marie Sorel et Ulrich Aubin, recevez, recevez votre mariage. Je scelle votre union, je scelle votre union, je scelle votre union. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rajouter une autre bougie. Comme ça, on va faire une fois jumelle. I'm gonna hold you. I cannot hold you. Écoutez, tu vas danser à ton mariage, ma chérie. Ha! I'm gonna hold you. It is my last day. Ouais, l'onction, non? Regarde comment l'onction coule. Vous voyez? Seigneur, pour cette bougie que je vais allumer, pour les couples, toute personne qui veut séparer les couples, que je vais prononcer les noms ici. Si c'est une femme qui n'est pas encore mariée, je déclare que tu reçois ton mariage. Si c'est un homme et une femme que vous êtes ensemble, on vous a séparés. Comme je vais allumer ceci, je déclare que vous êtes restaurés. Je mets l'harmonie, j'enlève les problèmes. Je vois bickering. Beaucoup de problèmes dans le foyer. J'enlève cela. Au nom de Jésus. J'attire vers vous votre âme sœur. J'attire. Au nom de Jésus. Voilà, nous commençons. Gladys et Sébastien. Adeline et Damien. Recevez Christelle et Bordeline. Yvette, Paola et Pascal. Karine et Yves. Mireille Mathieu et Michel Patrick, Jacobine et Ernest, Lydie et Eddy, Ornella et Yannick, Nanette et Roger, Carole et Lionel. Je déclare sur vous l'abondance. Je déclare mariage parfait. Je déclare mariage parfait. Mariage parfait. Mariage parfait. On ne pourra pas vous séparer. Gardez l'écoute, pardon, ralentissez. Vous écrivez tellement vite. Ok, tu as envoyé Tap Tap Send, j'ai reçu. Fais le message à ce numéro, je t'en prie. Lucia, Bibiche et Yolande. Merveline, je déclare sur vous la stabilité. Ernestine et Samy, stabilité dans votre foyer. Stabilité dans votre foyer. Indira et Tchèque. Fernande et Hervé. Katia et oh my God, Katia Remet. Joseph et Olga. Gabriel et Nathalie. Ezekiel et Esther. Wilfried et Clarisse. Angèle, Larissa, Alphonsine, Suzanne et Simon, recevez, recevez, recevez. Je mets la paix, je fais renaître votre amour et votre attirance l'un envers l'autre. Votre amour et attirance l'un envers l'autre. Oui. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 0779-0252-05. 0779-0252-05. Lucia et Johan. Lucia et Johan. Candice et Wolf. Alice et Bertrand, Sherifa et Kofi, je sais que vous ne travaillez pas souvent sur vos couples. Comme je prononce vos noms ici, Joanne et Sandra, personne ne peut vous séparer. Charita et Kofi, je viens unir Mireille et Emmanuel, Rachel et Jean-Luc, je viens solidifier votre union. Vanessa et Samuel, Farida et Aberan, Apolline et Didier, Bekanti, oh my Jesus!
Cheryl et Mike, Sonia et Valérie. Vous allez trop vite. Iris, Joël, Edwige et Alpha, Cathy et Eliezer, Diakunda et Christophe, Lisa et Bossi, Kwa et Olivier et Béron, Frédéric et Camille, Vivi et Isidore, Estelle et Nza, Bobby et Lydia, Apolline et Michel, Suzanne et Risa, Sonia, oh Jesus, Amel et Guy, je solidifie votre union, que personne ne puisse vous séparer. Élie, Michel et Rachel, Blanche et Patrick, Adeline et Damien, Denise et Evelyne, Jonas et Métite, Eva et Ferdinand, Alphonsine et Maxime, je remets l'harmonie dans votre couple, personne ne peut vous séparer. Mégane et César, Stéphanie et Kader, Brécantier et Georgette, Véronique et Maurice, j'enlève l'animosité et le sentiment de rejet qu'il y avait entre toi et ton mari. Nadia et Freud, Claudel et Stella, je déclare que vous vous accordez. Vous voyez, regardez, regardez, regardez. Un jour, le Seigneur m'a montré ça, regardez. Les deux flammes sont comme ça, non? Regardez. Qu'est-ce qui se passe? On a une grosse flamme. Regardez, je refais. Je déclare que si tu étais seul, tu rencontres ton âme, sœur. Je déclare votre union. Et qu'ensemble, vous ayez plus de flamme. Regardez. Même si tu étais seul, je déclare que cette semaine, tu rencontres ton âme, sœur. Mariage, faveur, richesse, amour, argent. Regardez le feu. Regardez avec la taille de mon nez. Ça n'atteint pas mon nez, non. Oui, comment ça arrive sur mon nez maintenant? Oui, regardez. Ça n'arrive pas, supposons. On ne va pas mon nez comme la limite. Quand je mets les deux ensemble, vous voyez comment la flamme augmente. Je déclare que tu rencontres ton âme sœur, l'homme là qui te provoque. L'homme là, quand tu le vois comme ça, ton corps fait un jar et sa part se lève. Je déclare l'harmonie dans votre lit conjugal. Je restaure, je restaure. Je déclare que tu seras heureuse dans le mariage. Nancy et Serge, personne ne peut vous séparer. Sarah, Mélodie, rencontre ton âme sœur au nom de Jésus. Sylvie et Gabriel, Léonie et Joyce, Cyprien et Daniel, Félicia et Giovanni. Je restaure Marie et Nafiou. Charita et Kofi, Laetitia et Aubin. J'ai des Koubra, reçoit le mariage. Mireille, Mathieu et oh là là, Denise et Evelyne, Blanche, reçoit le mariage. Jean-Sia et Charlemagne, Sandy et Rostand, Frédéric et Andreas, Thérèse, Pascal, oui, je sais que tu es célibataire, tu vas rencontrer maintenant ton âme sœur. Sylvanie, rencontre ton âme sœur, mariez-vous, rencontrez votre âme sœur, je mets l'harmonie dans votre foyer. Eric et Patricia, Michel, rencontre l'âme sœur au nom de Jésus. Ariel et Bertrand, ça c'est pour vous, Ariel et Bertrand. Je mets cette flamme ensemble pour vous. Ruth et Sinclair, Maël, Martin et Lydie. Brigitte et Nicaise, Tatiane et Alain, Mireille et Lionel, Katia et Eliezer, Alphonsine et Maxime, Laure et Maxime. J'espère que ce n'est pas le même Maxime. Hein? Ketia et Brandt, Emmanuel et Serge. Je vais mettre l'amour entre vous. Précie et Jonas, Roca et Olivier, Elka et Iguette, Paul et Andy, Roca et Olivier, Lisa et Bossi, Lisa et Bossi, Marie et Nafiou, Katia et Brandt, Suzanne et Jules, Linda et Aloy, Daniel et Bertrand, Bozolan et Claudia. Bozolan, tu sais comment j'attends ton mariage là? Hein? Ah! Bozolan, laisse. Pour ton premier enfant là, je sais que vous allez donner mon prénom. Je n'ai pas encore vu que quelqu'un se marie vite comme toi là. Hein? Ariane et Loïc, Laetitia et Raphaël, Salam et Mounria, Josiane et Rodrigue, Mohamed et Malika, Karim et Sylviane, Marie et Nafiou, Fallon et Bonnie, Lulu et Dei, Judith et Joël, Eric et Katrina, Madeleine et Bertrand, Urich et Aurélie, Cherita et Kofi, Joby et Randolph, Sonia et Trésor, Odette et Abdia, Ghislaine et Désiré, Alphonsine et Franck, Claude et Stella. Quand il fait comme ça, c'est vrai que toute personne qui est entre ces deux personnes-là, que la personne quitte. Si c'est que vraiment vous avez une intention de vous d'être ensemble. Si je fais ça sur le... Si tu es parti voler le mari de quelqu'un, ça ne va pas vous mettre ensemble. Pascal et Kakou.
Carole et Jean-Jacques, Sherita, Sharifa et Kofi, Indira et Tchèque, Chantal et Oulay, Roxane et Yakou, Mireille et Lionel, Michel et Christian, Mireille, Mathieu et Michel Patrick, Clotilde et Alexandre, Barbara et André, Michel et Christian, Ange et Ataz, Vanelle et Ethel, Ghislaine et Désirée, Christelle et Bordeline, Corinne et Désirée, Joanne et Eric, Locadine Yannick reçoit l'âme sœur, Stéphanie et Kader, Soho et Marie, Mike et Nisha, Gaël et Thierry, Mohamed et Jessica, Jolie Ange et Ange, Brice et Audrey, Roche, Rose et Herman, Orphée et Christelle, B. Grâce et Éloge, Fatou et Rémi, Grâce et Éloge, oui, c'est déjà fait, Katia et Lézer, c'est déjà fait, Joël, Arthur et Nadine, Alain et Christelle, Annette et Renaud, toute personne que vous avez intercédé pour eux, même si vous êtes des personnes qui ne savent même pas que vous venez d'intercéder pour eux, je déclare comme vous intercédez pour les autres personnes, pour vous-même, ça se réalise rapidement. Cyril et Marie, Aïcha et Eunice, Sorel et Prince, Aberdent et Margarine, Elvige et Alpha, Delphine et Amen, Karim et Sylviane, Pascal Ahmed reçoit ton âme sœur, Adeline et Damien, Charlotte et Hervé, Damien et François, Charlotte et Hervé, Fifa, Axel, oui, Ellie et Noëlla, je pense, Jessica et Séverin, Achille reçoit l'âme sœur, Dorcas et Yannick, Mémoire et Matt, Blanche et Pitou, Rémi, Candice et Wolf, Yasmine et Léo, Odette et Abidja, Georgina, Uno et Nadine, Félie et Alban, Josiane et Rodrigue, Paul, Arnaud et Nancy et Raissa, Juliana Conan reçoit, Charita et Kofi, Blanche et Rodrigue, Rémi et Fatou, Serge et Winnie, Pacom et Christelle, Tatiana et Giovanni, Muriel et Lambert, Carmen et Matisse, Angela et Dominique, Adèle et Yves, Viviane et Massime, Marie-Christine, Inès et Yves, Tatiana et Sylvestre, Cindy et Léance, Victorine et Charles, Lydie reçoit ton âme sœur, Aïcha et Souleymane, Antoinette reçoit ton âme sœur, Bruno reçoit ton âme sœur, Carole et Gastien, Francole et Pélagie, Vizi et Vélène, Tatiana, Ange et Anastase, Michael et Christian, Daryl et Kadi, Visani et Vélène, Vacoli et Pélagie. Je vous mets ensemble. I put your souls together. What God has put together, nobody can put apart. Kellen and Karen. Alain Demima. Carder Esther. Nicole Akpado. Daniel Charles. Ruth et Bomi, Fatou Rémi, Rosine Basile, Viviane Bertrand, Willy attire ton âme sœur, Josine Herman, Fallon Olga reçoit ton âme sœur, Visa, arrête de te plaindre, je t'en prie, Laura et Norbert, Nicole Apacto, Christelle et Alex, Martine et Mike, Gisèle et Jules, Aziz Bakarissa, Brenda, François et Pélagie, Hermès et Angela, reçois ton visa, Odile et René, Nicole et Acapo, Adeline et Michel Carole, Chris et Erika, Odile et René, Lucie et Yoann, Yvette, reçois ton blanc de l'Italie, oh, reçois ton blanc, Asphocine et Franck, recevez vos blancs au Sonia Behello, reçois ton blanc. Jennifer, Nancy et Serge, Anna et Oscar, Dali et Herman, Serge et Gerline, Raïs et Brice, Daniel et Bertrand, Alphonsine et Franck, Sonia Behello, reçois ton âme sœur. Maintenant, les gens célibataires, écrivez vos noms. Le rituel suivant, je fais juste pour les célibataires. Ça, c'est pour les appeler. Qui viennent. Juste les célibataires, genre célibataires, plus de couple pour l'instant. Aïcha, qui te trouve? Mireille,
Nathalie, Yvette, Judith, Vanessa, Gérard, Sabel, Aïcha, Gaël, Laetitia, qui viennent à toi? Stéphanie, qui viennent à toi? Auguste, non, je dis que plus de couple. Dumela, qui viennent à toi? Chantal, Alphonse, Pamela, Madeleine, Kia, Mathieu, Maolou, Daina, Chimène, Philomène, Blanche Aurélie, Francine, Angèle Larissa, Samy Dieu Gaël, Yaya, Victoire, Delphine, Paul-Emmanuel, Charlot, Séverine, Daniel, Bertie, Mamie, Brigue, Bertie, Edith, Prisca, Arlette, Michel, Carole, Eric, Grâce, Inès, Cassandra, Merveline, Sonia, Meryl, Meryl, Elvire, Sonia, Yaya, Liliane, Chess, Evelyne, Blandine, Féliciane, Mohamed, Manuela. Que ton âme sœur vienne à toi. Regardez, que cette personne vienne à toi. Que la personne vienne à toi. Gaël, Françoise, Cybelle, Flora, Ingrid, Kevin, Aïcha, Marie, Edwige, Niki, Kwamo, Josiane, Elvire, Inès, Elodie, Annick, Annick, Rokia, Elie, Lucia, Brigitte, Jacobine, Ibrahim, Lala, Marie-Louise, Sylvie, Barbara, Marina, qu'il vous localise, Jacqueline, Sandra, Delphine, Safiatou, Kowa, Claude, Chris, Koumou, Josiane, Kwamou, Cécile, Dominique, Christelle, Francine, Mathieu, Ivana, Daphné, Gabriel, Marie-Yvette, Jo, Jessica, Elisabeth, Antoinette, Nanou, Freddy, Elie, Inès, Cécile, je vous connecte. Que tu ne sois plus seul. Attendez. Petite pause. J'ai dit que les lavages, c'était... J'ai fait le lavage aujourd'hui. Bon, je cherche quelque chose. Messagerie, tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous sur le 693. Quand je finis ça, je vais faire les conseils. J'ai besoin de vous me donner la liste des consultations. Donc, mettez beaucoup plus de personnes sur le 693. Je vous en prie. Merci. Je donne le numéro de téléphone 693 50 22 66. Mom, oh merci, ton message, t'es gentil, Mom. Mom Masso. Tu veux faire le lavage, tu es à Abidjan. Tu envoies au numéro suivant 07 79 02 52 05. Monsieur Mbala, s'il te plaît, demande à la messagerie de se mettre sur les messages. Je veux qu'on me recense tous les gens qui sont dans le live et qui sont en train d'écrire, s'il te plaît. Assurez-vous que c'est fait. Donc, vous qui écrivez, assurez-vous qu'on, si on ne vous a pas encore répondu, vous écrivez à nouveau. Que je n'ai pas d'âme sœur, j'ai déjà... J'ai déjà jusqu'à. Je ne m'affiche pas. Tu as suivi. Tu peux pas savoir que je suis mariée. Et je mange bien le chocolat. Je ne m'affiche pas. Ok? Je vis ce que je prêche. Pour vivre heureux, vivons. Pour vivre heureux, je n'ai pas besoin de venir ici là vous montrer quoi que ce soit. Ok? I'm gonna hold you. Na 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 na. Ok, on continue. Je reprends. Numéro 0779. Ça, c'est pour Abidjan. 0779-02-52-05. 0779-02-52-05. Cameroun. Plus 237. 693. 50. 22. 66. Est-ce que vous savez que ce n'est pas ton bonheur est... Quand tu es heureuse, ne montre pas trop aux gens.
Parce qu'il y a un truc naturel dans l'être humain qui fait que... Tu es célibataire, supposons. Hmm? Tu es supermarché, tu vois une femme qui passe avec son gars. Bras dessus, bras dessous. Le gars est beau, le gars sent bon. Le gars a les tablettes de chocolat. Le gars a une grosse voiture qu'il a garée. En fait, voilà les détails qui t'énervent. Ce n'est pas comme si le gars-là la laisse, il va venir avec toi. Mais ça t'énerve. Hein? Tu as vu une maison à lui et la vente de votre photo. Mais oui, non, c'est mon local. J'ai dit que c'est un local à lui. À lui, là-bas, au Gabon. Donc, il y a les choses que... Quelqu'un, imagine si un passant est jaloux de toi. Combien de fois ta copine, ta tante, ta soeur, hein, loucotte, ton gars est en Beng. Tu crois que tu vas aller en Beng le trouver? ton gars est en Europe. Hein? Hein? Tu es folle. On va finir, va plus t'appeler pendant un mois. Tu restes comme ça, la baie devient distant. Et t'envoie, puis je travaille. C'est que j'ai de travail. Avant, quand tu travaillais, même au travail, ta pause, on se parlait. Ne blaguez pas, à bègue. Les gens sont sous vos choses. Et ils savent que quand tu vas bien là, tu brilles. Quand tu as mangé un bon chocolat la nuit, mamie, tu te lèves le matin, tu chantes seulement. C'est comme ça. C'est pas tout le monde qui aime le chocolat que tu manges le chocolat. En passant, manger le chocolat, ça veut dire consommer le plantain avec la sauce tomate. J'aime pas trop le langage là, c'est trop grossier, mais bon. Manger le chocolat, vous avez compris ce qu'il veut dire. Hmm? Il y en a même parmi vous que si tu es marié, tu caches même ta bague dans ton sac. Oh! Ma chérie, tu es dans un service où tout le monde n'est pas marié. Tu viens dire, mon mari, mamie, faisons attention. Il y a des gens qui vont te demander que ça va. Ah, ce n'est pas mal, tu es. Alors que tu veux demander le chocolat, hein? Le chocolat est dans ton lit. C'était la pause de détente. Oh, Seigneur. Dis à ton chocolat que Choco, pardon, si elle veut te sucer longtemps, c'est le terme normal. Donc, nous, c'est aux enfants, la vie ne va pas me déranger. Chocolat, si elle veut te sucer longtemps, il faut que je te suce, je te garde dans mon sac. Ou te suivez, non? Ne cherchez pas à impressionner les gens. Ah, ton chocolat prépare pour toi quand tu rentres le soir. Ton chocolat te donne... C'est ton chocolat qui fait ça. Oui. Jalousie. Pourquoi c'est seulement elle? Pourquoi? Même si mon chocolat me laisse, hein, Inogo Mario, maintenant vous avez trop souffert gratuitement. Arrêtez. Hein? C'est bon. Allô? Oui. Oui, je suis en direct, mais... Oui, dis-moi, tu dis? Non, je vais mieux, papa. Ah. Oui, merci, c'est gentil. La nuit, là... Hein. Ça va maintenant, je vais mieux ce matin, merci. Mm-hmm. Non, comment? Par contre, le petit déjeuner, je ne sais pas trop si... attends, il est quelle heure? Ok. Tu peux demander quand même que la servante vienne, comme ça qu'elle puisse aller m'acheter quelque chose. Ou bien, je ne sais pas, si tu vois, si tu peux aller chercher. Bon, je finis mon direct et puis je te dirai, ok? D'accord, merci. À tout à l'heure. C'est pas tout. Écoutez, fermez vos bouches. N'essayez pas d'impressionner les gens. Il y a une dame qui dit, elle souhaite un mari à sa fille comme pour moi. Maman, pardon.
Tu fuis. Ah, aïe. Bon, je continue, non? On continue. Célibataire, là, pour attirer les âmes sœurs, ils doivent vous localiser. Un jour, c'est une de mes anciennes camarades de classe. Elle prend mon kit. Elle était déjà, quand elle était à l'école, elle était très timide. C'est mon kit attirance. Elle vient, elle prend. Elle me dit, ça fait, son enfant a 6 ans. Depuis qu'elle s'est séparée du père de l'enfant, là, elle n'a pas fait l'amour. Jésus! J'ai dit que quoi? Elle a même honte en me disant. Elle avait honte en me disant. 6 ans. C'est pour ça que tu es frustrée, ma chérie. Elle a pris ça, je crois qu'un mois plus tard, elle a mangé le chocolat. Maman, elle m'appelle que je vais encore venir chercher les produits là. Ouais. Elle vivait chez les parents, non. Malédiction familiale, blocage familial, c'était trop grave sur elle. Elle avait un bon boulot, elle avait beaucoup d'argent, hein, vraiment pas. Mais le chocolat, mamie. 6 ans, mamie. On fait Joyeux Noël. 1 an. Joyeux Noël. 2 ans. Joyeux Noël. Yeah. Dans quel monde? Recevez vos chocolats au nom de Jésus. S'il vous plaît, mesdames, il y a le kit fondation qui va beaucoup vous aider. J'ai demandé, j'ai fait le lavage, on m'appelle ça lavage chocolat. J'ai fait le lavage chocolat aujourd'hui. 10 000 francs. Promotion. Vous, tu peux prendre pour toi et ton mari. Si tu es marié ou bien restauration maritale, attirer son âme sœur. Ok? Attirer son âme sœur. S'il est loin de toi, dans une autre ville, qu'il vienne. Parfois, tu rencontres un homme, vous êtes bien, vous avez des bonnes intentions. Ouais, je veux, je veux. Après 2 mois, tu vois les bizarres avec toi. Il ne t'écrit plus. Alors qu'avant, il t'écrivait. Bonjour bébé, je me suis réveillée. Bonjour bébé, j'ai brossé mes dents. Bonjour bébé, cœur. C'est ça en fait. Le travail, c'est pour cette restauration-là. Ok, tu as fait le PayPal, tu écris au numéro, s'il te plaît. Je travaille à distance. Moi-même, je suis pas au Cameroun, je suis à Abidjan. Donc, on continue ce qu'on avait commencé. Je donne les numéros une dernière fois et on continue. 237-07. Sonnez! C'est qui? J'ai rêvé, je crois que c'est ici qu'on toque. 07, donc 237. 237 693 50 22 66. 693 50 22 66. Voilà, merci d'avoir mis le numéro. Maintenant, je veux qu'une personne mette les deux numéros avant de lancer le commentaire, comme ça je vais épingler. Donc, 693 50 22 66. Pardon, va voir Jésus, tu te maries, mamie. Pardon, faut me laisser. Allez, prêche ailleurs. Tu mets le numéro du Cameroun et tu mets le numéro de la Côte d'Ivoire. 07 79 02 52 05. Donc 07 79 02 52 05. Donc 07 79 02 52 05. Mettez les deux numéros en même temps. Voilà. Les mêmes numéros dans les deux numéros dans le même message, s'il vous plaît. Je vais épingler. Allô? Oui, je suis sur TikTok aussi. Merci, chocolat. Bye bye. Vous devez mettre les deux numéros. N'appelez pas encore, s'il vous plaît. Abidjan, n'appelez pas encore. Ouais, mettez-moi le même, les deux numéros là, non. En tout cas, ça va. Donc, 237 693 50 22 66. Et le 07 79 02 52 05. Bon, on doit recommencer. Le kit au Cameroun, c'est 60. Au Cameroun, c'est 70 000. En Côte d'Ivoire, c'est 100 000 francs. Gabon, 100 000 francs. 6,93, 50, 22, 66.
L'arnaqueur aussi dans mon live. Haïa. Ceux qui veulent se laisser arnaquer, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Mais Dieu m'a sorti. Donc il est en train d'écrire aux gens. Hein. En tout cas, ma page officielle est là. Celui qui veut. Je livre en France. J'ai les kits à Paris. Les kits fondation sont à Paris. À Paris, c'est 230 euros. Je crois que vous avez des promotions cette semaine. Si tu es à Paris, même tu viens récupérer physiquement, tu prends ça à 210 euros. Mais tout ailleurs, partout ailleurs en France, on vous donne 230 euros. Ok. Je livre en France, je vois le numéro. Il m'a ajouté, je l'ai supprimé. Voilà, les voilà. Il t'a aussi écrit. Hein. Le kit fondation aide pour les malédictions familiales. Ok. Supposons, tu as... je vous ai parlé de la femme sur qui j'ai travaillé, non, elle a pris le kit. Mais mon cas, quand vous prenez le kit fondation, vous finissez le kit fondation. Il y en a que vous devez d'abord prendre le kit désenvoûtement avant de prendre le kit attirance. Et le dernier, c'est le kit chocolat. Kit fondation, malédiction familiale là. Quand tu vas prendre le kit là, tu vas voir les choses en rêve. Moi-même, je connais. J'ai un de mes très grands amis qui a aussi lancé son ministère. Il est venu prendre mon kit fondation. Et vous dit, quand tu es choisi, tu reconnais le don de l'autre personne, honore le don de la personne. Il a pris le kit fondation avant-hier. Il commence ça hier matin. En journée, il a reçu son premier don dans son ministère. Alors que dans sa famille, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup rejeté. Il me dit, j'ai le premier jour du kit fondation, j'ai reçu mon premier don. On ne m'a jamais donné l'argent parce que je parle, parce que je parle, parce que j'encourage les gens, parce que je prêche. Donc, ma part d'onction, c'est que je suis appelé sur les choisis. En tout cas, les choisis me reconnaîtront. Maintenant, je parle du mariage aujourd'hui parce que j'ai vu que le mariage, depuis quelques temps, il faut qu'on me parle du mariage. Aide le mariage des choisis. Le mariage des choisis. Parce que notre vie maritale est très attaquée. Fallon, tu dis que tu vas voir plus en rêve. On va te montrer. Tu seras surprise de voir la tête de certaines personnes. Tu fais avec le kit fondation avec le jeûne de 7 jours. Oui. Mensonge, oh ben oui, ne te dérange pas. La jalousie n'est qu'un petit défaut. Tu as compris, ma chérie? La jalousie n'est qu'un petit défaut. Merci beaucoup. Il n'est pas le numéro pour la France, ma chérie. Écrivez au Cameroun. Si elle vous donne le numéro de la dame, vous allez trop la harceler aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas bien pour elle. J'ai donné ça l'autre jour dans le live à 22h30. Vous avez commencé à lui écrire. Écrivez au Cameroun 237 693 50 22 66. Pour aller récupérer sur Paris, elle peut le faire après son boulot en soirée. Donnez, je vais voir, je vais lui écrire, je vais voir si elle peut. Parce qu'elle va donner un numéro. On l'a tellement. Voilà, là, voici non. Ma chérie, s'il te plaît, dis à ces gens qui t'écrivent, c'est bien comme tu as dit là, que tu n'es pas ma représentante en France. Ils aiment trop ça. Ils ont mon numéro. Et si quelqu'un ne veut pas écrire au Cameroun, qu'il laisse. Oh, vraiment, je m'excuse. Je ne vais plus donner ton numéro. Vous exagérez. Je lui dis que quelqu'un est parti, elle veut m'aider avec le truc. Tu peux lui envoyer ton rêve comment? Comme ça que vous aimez qu'on vous arnaque. Et vous aussi tenter les gens. Ma copine ne manque pas l'argent. Non, si vous voulez, hey, les abonnés, vous la même. Donc, on y va. Je fais les consultations privées. J'ai parlé de la promo. Qui se rappelle du code de promo que j'ai donné pour aujourd'hui? Vous pouvez payer 10 000 pour la consultation, 20 000 et 50 000 au lieu de 80 000. Donc, le code que j'ai donné, c'était quel code? C50. Donc, tu écris C50 10 000. Tu envoies ton numéro et tu payes 10 000 francs. Tu envoies ta question. Tu demandes et on va checker, on va te répondre. C50 20 000, deux questions. Tu peux aussi envoyer C50 20 000. Tu demandes qu'on fasse une lecture de ton enfant. Pour 20 000, s'il te plaît. Maintenant, C50 50 000, c'est pour me parler. Donc, je ferai les consultations après le direct. Moi, j'aime le tic au tac. Oh, tu as commencé à te laver le sel aujourd'hui. Tu as fait le rêve qu'une personne a tiré sur toi.
pour travailler sur toi. Rêver d'avoir beaucoup de cheveux, c'est ton aura qui est en train d'être restaurée. Dans le direct, si je parle de mariage, je ne suis pas là pour parler des rêves pour l'instant. L'interprétation de rêve, c'est un service qui est payant. Bon, je vais aussi faire la promotion sur les interprétations de rêve. On fait ça généralement à 20 000. Donc, je vais mettre ça à 10 000 aujourd'hui. Interprétation de rêve. Vous écrivez C50 rêve. Vous payez 10 000. Donc, ce sera 10 000 par rêve. Il va prendre le temps pour me parler avec vous. Donc, je ne viendrai jamais vous demander en amitié sur Facebook. Je ne vous enverrai pas de demande sur TikTok non plus. Mon compte officiel est là. Je n'ai pas de page privée. Je n'ai pas de page privée. OK? Donc, si vous écrivez, vous répondez. Je vais vous dire, hé, ma reine, hé, ma copine, ce n'est pas moi. OK? Ils m'ont paralysé pour éviter que mon mari, waouh, pour éviter que tu te maries. Il faut prendre le kit des envoûtements, ça va t'aider. Donc, voilà. Notre site est en ligne, c'est reinelumière.com. Pour le numéro du Cameroun, 237-693-50-2266. 693 50 22 66. Bon, je lance maintenant, je reprends le travail. S'il vous plaît, dis-nous le bain de sel est sur ma page. Ok? Je ne parle pas des rêves. Le kit des envoûtements, c'est 110 000 francs à l'étranger. Les prix ne sont plus les mêmes qu'avant. Parce que maintenant, il y a les frais qui sont avec les locaux, les charges, tout, beaucoup de charges. Donc, je ne peux plus vendre les kits comme je vendais avant. Donc, c'est vrai que quand je fais les promotions comme ça, que vous allez profiter souvent pour prendre les kits. Mais en temps normal, tu fais ton travail, tu te prépares, tu prends ton argent, tu achètes avec l'argent, voilà. Ok, je reprends. Je ne vais plus répondre aux questions, s'il vous plaît. Victorine, Ati ton âme sœur. On est là, Kiki, Ati ton âme sœur. Ivana, Ati ton âme sœur. Pauline, Jacobine, Fatim. Merveline, Cassandra. Bernadette, qui vient à toi. Ortie, qui vient à toi. Michel Carole, qui vient à toi. Rosine, qui vient à toi. Laura, Annick, Bénédicte, Jean, Yvette, Francine, Patricia, Lucrèce, Jean, Monique, Olga, Germaine, Karel, Karine. Regardez bien le mouvement que je fais. Tu es là, il vient, ou il ou elle vient à toi. Tu es là. Il ou elle vient à toi. Châtel, Karine, Raissa, Solange, Karine, Arlette, Alida, Clarisse, Ortille, Céline, Blandine, Clarisse, Flora, Rokia, Josiane, Louise, Clarisse, Flora, Didier, Bliss, Josiane, Bouchira, Chimène, Ivana, Nadia, Françoise, Lucrèce, Châtel, j'ai déjà lu, Sandrine, Barbara, Bouchira, Mariam, Maria, Juliette, Espoir, Esther, Miranda, Calice, Gabi, Belize, Barbara, Prisca, Alice, Calice, Elisabeth, Emilienne, Evra, Joël, Marie, Ama, Ruth Lobé, Sophia, Nel, Fatou, Rémi, Ursula Ngoué, Roland, Aubierge, Christelle, Erika, Boris, Prisca, Elisabeth, Prisca à nouveau, Fallon, Olga, Nikèze, Joyce, Néné, Kailia, Junior, Joséphine, Julien, Aurélie. Merci, Boubou. Boubou. Boubou, c'est ton nom. Ça, c'est mon petit nom là-bas. Jeannette, Aurel, Sylvie, qu'ils viennent à toi, oui. Iris, Madina. Ça, c'est pour les célibataires. Les mariés, je ferai pour vous tout à l'heure. Nadine, Christiana, Ella, Joyce, Cornelia, Malika, Espoir, Florence, Paul Laetitia, Michel, Bouchra, Aurel, Gérard, Merveline, Linda, Ama, Katia, Krishna, Sherita, John, Fatou, Blanche, Angèle Larissa, Christelle Nguini, Marie-Claire, Florence, Paul Laetitia, j'étais déjà lu, Marianne, Faton Olga, Cécile, Marguerite, Karine, qui vient à toi, Espérance, qui vient à toi, Bintou, qui vient à toi, Ortilly, Elsa, Nadia, qui vient à toi, Fallon Olga, Gilbert,
Short Mini, j'ai déjà lu. Jenny, Azara, Jacobine, Edith, Jenny, Espoir, Melissa, Fatou, Jeanne. Maintenant, on va faire les mariés, parce que les célibataires, vous me remettre les mêmes noms. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, les personnes qui sont mariées, pour attirer, pour que s'il y a des problèmes dans votre couple, ou bien ton mari t'a abandonné, ou ta femme t'a abandonné, si quelqu'un a tourné la tête de ton mari, ou encore même, il y en a qui sont mariés ensemble, mais la personne est mariée à sa mère. Ok, Alex, je vais refaire encore. Je reviens sur les célibataires tout à l'heure. J'ai déjà déclenché le processus des mariés. Je reviens pour les célibataires. Les mariés. Je déclare que toute énergie négative, je chasse le rejet de vous-même. Je déclare que vous vous acceptez. Je déclare que tu t'acceptes. Je déclare que quand tu t'acceptes là, ton homme t'accepte aussi. Voilà. Bon, je vais commencer. S'il y avait les problèmes dans votre foyer, la zizanie, je mets l'harmonie. Si on voulait vous faire tomber, que ce soit la belle famille, peu importe d'où ça vient. Commencez à écrire vos noms avec votre partenaire maintenant. Même si vous n'êtes pas encore marié, que ça donne au mariage. Le mariage immédiat. Vanessa et Samuel, Constant. Vous soyez réunis, j'enlève la distance entre vous. Mani et Arnaud, Ornella et Yannick, Nadia et Eric, Paul et Eugénie, Bobby et Fadia et Atta, Sandy et Rostand Muriel, Nadia et Christian, Merveille et Joseph, Ama et Yannick, Aurel et Andris, Jean-Claude et Chantal, Chandrine et Hubert, Anna et Yannick, Claudine et Sylvain, Georgine et Gabriel, Aïcha et Mathieu, Selom et Nadia, Mathieu et Kayla, Solange et Sekou, Viviane et Jérôme, Arnaud et Elsie, Noël et Todou, Noéline et Todou, Alain et Léonce, Marie-Claire et Wenceslas. Que personne ne puisse vous séparer, Marie-Claire et Wenceslas. Je prononce vos deux noms, Clarisse et Joachim. Je prononce vos noms, que vous ne soyez jamais séparés par qui que ce soit. Christelle et Bordeline. Que personne ne vous sépare, Bibi chez Roger, Bibiane et Emmanuel, Anne et Yannick. Que tu n'auras pas honte, ton mariage ne sera pas un échec. Josiane et Rodrigue, Flore et Armand, Yatou et Sacha, Elodie et Alain, Pamela et Joël, Ama et Yannick, Elodie et Alain, j'ai déjà dit, Louise et Eric, Ruth et Kevin, Isaac et Angèle, Marion et Badji, Josiane et Rodrigue, Adèle et Yves, Yves et Lefort, Mylène et Charles. tout couple que je prononce, Paul, Marie et Joseph, si on voulait vous séparer, toute femme spirituelle qui est mariée à ton mari et qui veut t'empêcher, l'homme là s'est engagé avec toi. Même s'il est avec toi et qu'il voulait te marier et après ça fait un genre, je déclare aujourd'hui ses pensées reviennent à lui. Comme je prononce vos noms, Jean-Pierre et Yvette, je mets l'harmonie, Merveille et Lefort, Hortense et Gilbert, Viviane et Adama, Elzar et Florent, ceux qui ne sont pas encore mariés, je déclare que vous arrivez à vous marier dans les prochaines 30 jours au nom de Jésus. Tatiana et Gustave, Nathalie et Jean-Jacques, Cornelia et Ismaël, Bénédicte et Delali, Eric et Caras, Odile et Dimitri, Christine et Michel, Oéra et Eugène, Marlin et Glorian, Lully et Dei, Michel et Philomène, Aïsita et Kouchou, Estelle et Nelson, Awanda et William, Nanette et Roger, Lucia et Johan, Edith et Richard, Aurel et Jérès, Jessica et Arsène, Aziz et Sarah, Samba et Anne-Marie, Anne-Manuela et Gilbert, Sally et Sila, Apolline et Michel, Corinne et Désirée, Vanessa et Ethel, Pauline et Jean-Claude, Michel et Givin, Émilie et Fabrice, Paul et Christelle, Rachida et Osseni, Marie et Patrick, Crescence et Daniel, Mélanie et Guy, Laetitia, Stéphanie et Didier, Naomi et Maurice, Amadou et Bal. Christelle et Herman, Annie, Jocelyne et Louis, Francine et Sonia, Alain et Marianne, Cheryl et Mike, Stéphane et Sifa, Rosalie et Patrick, Karine et Fabrice, Franklin et Merci, Raissa et Marcelin, Annette et Renaud. Oui, tu viens de faire le dépôt pour ton lavage. Ok, 10 000 francs, tap, tap, sen, pas de problème. C'est reçu. J'ai vu ça le message.
Donc pour faire les dépôts, le numéro est dans ma bio de TikTok. Je ferai les lavages à 10 000 francs. Lavage d'huile pour attirer votre âme sœur, 10 000 francs. Restauration de couple, vous en avez pour vous et pour votre mari. Ok, Amadou et Bag, c'est 10 000 francs par personne, s'il vous plaît. Si tu es seul, c'est 10 000 francs. Tu es avec ton mari, c'est... Et je vous en prie, il y a des moments où tu restes comme ça, ton mari ne t'écoute plus. Bobby et Lydia, je mets l'harmonie dans votre couple. Ils ne t'écoutent plus. Alors qu'avant, dès que tu parlais comme ça, là, Jean et Pérez, Prince et Fatima, Déborah et Fabrice, Amadou et Balagissa. Lavage, oui, lavage en Côte d'Ivoire possible. Le numéro est dans ma bio. Clique dessus. Bérénice et Kia, Gambré et Rennes. Robert et Gisèle, José, Nani et lui, j'ai déjà lu. Eva, Evrad et Pamela, Sorel et Prince, Micheline et Wilford, Wiltord, Bouchra et Saïd, Charlène et Joël, Marlène et Charles, Juffy et Chance, Marc et Duclos, Awa et Amadou, Charlie et Modeste, Timothée et Vanessa, Junior et Diane, Vanessa et Franck, Corinne et Delors. Je vois une femme ici, là, tu es dans ton foyer, tu es acculé tellement, ta bouche est fermée, ta gorge, tu ne parles pas. Ça aussi, c'est pour te restaurer la faveur maritale que tu avais au départ avec ton mari ou ton conjoint. Je déclare que si vous êtes célibataire, ça se concrétise par le mariage. Tu rencontres ton âme sœur. Tout à l'heure, quand je vais parler pour les célibataires, vous allez me donner votre nom et je ferai que l'homme te relocalise, qu'il vienne à toi. Qu'il vienne à toi. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, vous me donnez d'abord, ça, c'est pour les couples. Donc, j'ouvre ta bouche, Evina et Akash, Daryl, reprends ton nom à Daryl. Kanga et Félix, Omar et Mia, Evina et Akash, Emmanuel et Myriam, Ornella et Alain. Nadia et Amour, Aïcha et Sadete, Salimata et Herman, Mohamed et Rachid, oh my God, Prince et Fatim, Melissa et Yusuf, Prudence et Arsène, Michel et Apolline, oui, Roby et Angelo, oui, Kenny et Stéphane, Mirella et Arnaud, Louise et Armand, Kader et Keren, on ne puisse pas vous séparer, Julie et Joseph. Je déclare bien que les conditions sont les suivantes. Que cet homme se soit engagé avec toi déjà au départ. Il a dit, je veux être avec toi. C'est-à-dire, il a voulu ça et après, sa mère l'a découragé, sa soeur, ou bien le boulot, ou bien je ne sais pas quoi. Quelqu'un est entré dans son cœur et puis il s'est dit, ah, on lui a dit, ah, Jack, pourquoi tu veux même te mettre en couple maintenant? Donc, si c'était son engagement initial, c'est ça que je viens attiser. Mais je ne prends pas les maris des gens pour vous donner. Donc, ne mettez pas les noms des gens que vous savez que c'est le mari de quelqu'un qui est déjà engagé là-bas. Ok? Marie et Eric, Laetitia et Raphaël, Amen et Raïssa, Gentil et Jackson, Aïcha et Sadat, Serge et Alice, Marlène et Charles, Serge et Anaïs, oui, Madou et Myriam, Laetitia et Michel, Lorraine et Parfait, Mohamed et Raïssa, tout, Charlène et Paris, oui, Ama et Yannick, Yohan et Alain, Adeline et Nelson, Laetitia et Miguel, Couronne, Laure et Paul, oui, Aïcha et Asmir, Vicky et Bienvenue, Flore et Emmanuel, Cissé et Napoléon, Karl et Charlotte, Thérèse et d'Alex, je restaure André et Peter, je restaure votre flamme. Que tout ce que les gens ont fait pour vous séparer soit annulé. Christelle et Hervé, je sais que vous ne savez pas, mais il y a des gens qui partent faire des incantations pour vous bloquer. Valentin et Anita, Elodie et Alain, Pierre et Christelle, Sabine et Paul Valentin, Adeline et Damien, Micheline et Whitford, Laure et Guénol, Abdelaziz et Aïcha, oui, Odette et Wodia, Victor et Arcel, Setou et Jérôme, Amélie et Youssef, Victor et Axel, oui. Elodie et Nathanaël, Korotoum et Oudma, Elodie et Abou, Kadi et Abdoulaye, Déborah et Fabrice, Solange et Mathieu, Njok et Yannick, Marie, Martine et Roger, Prude et Rebecca, Marlène et John, Abby et Victor, Kango et Ahmed, Karim et Amos, Marlène et Mylène, pardon, et Mylène écrit à nouveau, Thérèse et Rouchad. Andrea et Peter, Abdoulaye et Aïssatou, Jacqueline et Ezekiel, Karine et Amos, Valdi et Katie, Jean-Pierre et Yvette, que personne ne puisse vous séparer, Laurence et Ricardo, Roger et Grace, Kevin et Alexia, Si Ange et Sédou, Nadège et Fa Francis, Awa et Dylan, Bob et Bernice, Mylène et Charles, reçois la faveur dans ton mariage. Maintenant, si tu avais le gars depuis, il tourne. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il tourne. Et tu es là vraiment, tu es fatigué. Parce qu'il y a des hommes parfois qui sont manipulés, genre, il a des intentions avec toi. Voilà, je vois aussi un truc, un blocage qu'il y a sur une femme ici là, que quand un homme vient à toi,
ses finances finissent. Il a l'intention, non, on va se marier, on va faire. Dès qu'il a l'intention comme ça, là, il veut un peu, tac, ça part. Il veut un peu, tu ne comprends pas. Un coup, tu vois, oui, bébé, on va faire le mariage le mois prochain. Annulé. Donc, maintenant, c'est pour les personnes que vous voulez le mariage spécialement. Donc, cette prière, c'est ça pour le mariage. C'est Edou Emma, Laure, Innocent et Grâce, Jacqueline et Ezekiel, Grâce et Devlon, Deviatou et Youssou, Jessica et Atu, Kadiatou et Abouaka, Henri et Elvira, Goron, Laure et Paul, Grâce et Devlon, oui, Céline et Fabien, Anna et Fabrice, Prisca et Luc, Raphaël et Laetitia, Eric et Audrey, recevez les finances pour votre mariage, Koura et Suleiman, Sephora et Armel, Désiré et Marie Noël, Belinda et Ahmed, Merveille et Lefort, tout lien familial qu'il y avait entre lui et sa famille qui fait qu'ils ne veulent pas t'épouser. Il sait que tu es bien pour lui, tout le monde sait, mais il y a quelque chose qui fait. C'est ça que je viens briser maintenant. Boujra et Saïd, s'il vous plaît, mettez la photo de mon code marchand dans le groupe des rois et reines. Les gens n'arrivent pas à faire de paiement Orange Money. Apparemment, le nombre de transactions est atteint. C'est fini le fait qu'on vient, on toque la porte se casse. C'est quoi? En un an, combien d'hommes sont venus pour vouloir t'épouser, ils sont partis. Donc, j'ai dit que le lavage, c'est 10 000 francs aujourd'hui en promotion. Vous allez envoyer 10 000 et vous envoyez votre photo. On va vous donner le code marchand. Ceux qui veulent payer pour le lavage par PayPal, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. C'est un peu comme si tu... Quelqu'un ne peut pas la notifier, il veut te donner, après il fuit avec. Il veut te donner, après il fuit avec. Et quand il fuit, tu dis, voilà, je savais de toutes les façons. Ils cherchent le code marchand hein, parce que mes employés, cela, je ne sais pas, ils dorment trop. Pardon, mettez les cœurs, vous allez vous marier. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a trop mis dans le cœur. Tu vas être choisi, tu vas être riche, tu vas te marier, tu seras heureux et tu vas avoir les enfants pour mettre au-dessus. Tu vas couronner ça avec les enfants. C'est quoi qu'on a tout dit que tu vas tout manquer les, c'est quoi? Regardez l'écoute, je vous en prie, une minute. Mais je vous donne le code marchand. Le code marchand de l'entreprise, c'est le suivant pour ceux qui sont au Cameroun. 58, ça c'est Orange Money, 58, 68, 54, ça c'est pour payer. Donc vous faites 10, 150, étoile, 47, étoile, 58, 68, 54. Vous mettez dièse. Donc le lavage que je ferai sera 10 000 francs. J'ai réduit vraiment la promotion. Vous dites lavage, mariage, c'est tout. Si tu es seul, tu recevras. Si tu es célibataire, tu vas recevoir. Bon. S'il vous plaît, enregistrez Madame Yvette. Elle a normalement, elle a un compte chez nous, donc elle va payer plus tard. Prenez le message de Madame Yvette. Bon, je recommence, je continue. Davila et Dani. Davila et Dani, le OM du Cameroun, 655-310750. Mais on me dit que les transactions sont déjà atteintes, donc faites ailleurs. Le code marchand, je viens de vous donner le code marchand. 58-68-54, le nom qui va s'afficher, c'est The Guilty Girl Academy. Pour MTN, le code marchand, c'est 610221.
le code marchand de MTN. Donc tu fais étoile 126, étoile 4, étoile 610221, étoile, tu mets le montant. Voilà. Donc, on va reprendre. Attendez, je branche mon téléphone pour que ça s'arrête seul. Le Seigneur veut restaurer ton mariage. Le Seigneur veut que tu te maries. Et tu auras un mariage grandiose. Donc, Vanessa et Ethel, Carole et Gastien, toute personne qui voulait vous séparer, j'enlève. Tout mariage spirituel entre ton mari ou toi et une autre personne, je détruis. Kango et Ahmed, Kevin et Alexia, Prudence et Aman, Aurel et Jérès, Anita et Constant, Daniela et Raphaël, Yannick et Suzanne, Ren et Samuel, Stéphanie et Lucas, Hélène et Jacques, Olga et Ketiten Foua, Davila et Dani, Stéphane et Sifa, Gracia et Pedro, Ibrahim et Bintou. Comme je mets les deux flammes là, on ne pourra pas vous séparer. Couronne l'or et Paul, lui. Merveille et le fort. Bédel et Jenny. Florence, non, Merveille et le fort, c'est déjà fait. Gaël et Brice. Carmen et Mathis. Francis et Maïlissa. William et Nadia. Leslie et Franck. Moussa et Marina et Moussa. Mylène et Charles. Audrey et Kefa. Bédel et Jenny. Patrick et Vanel. Maria et Abou. Mylène et Charles. Ange et Alain. Jocelyne et Herman. Jacques et Nathalie. Landry et Sorel, votre flamme va toujours brûler. Germain et René, tu sais que parfois tu restes à les périodes où avec ton mari, c'est bizarre. Parfois même on met l'esprit de rejet, on travaille sur vous de telle façon que tu détestes ton mari. Dès qu'il te parle comme ça, c'est comme si il s'abouche ça. Kylian et Nadine, Bénédicte et Chimez, je restaure votre flamme, je restaure votre flamme. Awa et Amadou, Denise et Abdoul. J'enlève tout ce qu'il y avait de négatif entre vous. Si vous n'étiez pas encore marié, je déclare que votre mariage va se célébrer dans les 30 prochains jours. Léris et Olivia, Kérim et Sylviane, Delphine et Yves, Raphaël et Laetitia, Doris et Achille, Rodrigue et Sylvie, Samantha et Sylvain, recevez l'argent dont vous avez besoin pour faire votre mariage. On va aussi t'honorer, ma chérie. On va t'honorer. Et parfois, s'il y a des hommes ici, là, vous avez même tellement honte parce que depuis que je t'ai mis avec la fille, il n'y a pas d'argent. Patrick et Chribienne. Suzanne et Jules, recevez, recevez. Maurice et Mégali, Flora et Abdia, Nicolas et Ange, Miguel et Brinda, Stéphanie et Kader, Yvan et Rama, Larissa et Philippe, Ornella et Wallace, Nadège et Francis, Couronne et Couronne Laure. Oui, reçois ton mariage avec Paul. Ok. Catherine et Cédric. Fatou Kiné et Ousmane, Bénédicte et Yves, Carole et Chris, Aminata et Sédou, Christiane et Vanel, toute personne qui était venue se mettre entre vous deux. Parfois je te marie comme ça, ta belle-mère vient. Vous voulez qu'on attaque les belles-mères maintenant? Mesdames, s'il vous plaît, j'ai dit que le lavage aujourd'hui je le fais à 10 000 francs. Vous dites lavage pour le mariage, je vais faire ça aujourd'hui. Les consultations aussi, j'ai mis les promos sur les consultations. Interprétation de rêve, promo, tout est en promo, promo, plus de moitié prix même. Donc les lavages, normalement c'est 50 000, aujourd'hui je l'ai fait à 10 000. Vous devez lavage, mariage, vous payez 10 000. Si tu veux payer avec ton gars, si tu es célibataire, tu payes seulement pour toi. Si tu es à quelqu'un, que vous êtes ensemble, mais ça fait un genre, vous deux, pour pouvoir accélérer vos travaux, votre processus. Donc vous écrivez au numéro suivant, mon numéro WhatsApp est dans ma bio de TikTok, ou bien je vous le donne, vous écrivez. 237 693 50 22 66. Donc écrivez 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Au Gabon, le numéro de téléphone c'est le 074 18 00 80. Ça c'est le numéro du Gabon. 074 18 00 80. Le numéro de la Côte d'Ivoire 079 07 79 02 52 05. 079 02 52 05. Ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, lavage mariage. Ok, lavage mariage, on dit c'est 10 000 francs. Consultation, vous écrivez C50 consultation. C50 10 000 pour une question. C50 20 000 deux questions. C50 20 000, on va faire l'étude de tes enfants. Normalement, les consultations par personne, c'est 60.
maintenant. La promotion, c'était 80 000 les consultations. Donc pour aujourd'hui, je casse tout, 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 tout. Donc maintenant, pour ceux qui payeront les consultations VIP, ce sera ces 50 000. Vous payez et quand je finis le direct, on sera deux à vous consulter. Voilà. Papa, je fais la promotion même sur la voyance. Écoute, go tessim. Dans mon patois, tessim, ça veut dire que je cherche l'argent. Ça vous aide, ça m'aide. Tu comprends? Tu comprends, non? Moi, je vous dis, moi, cash. Au lieu de te tourner, il te dit que voilà l'argent qu'elle demande. Voilà. Je continue ce qu'elle faisait. Georgette et Bécanti. Promo lecture de cartes. Les lectures de cartes sont un peu moins chères, mamie. Je ne fais pas les promos de lecture de cartes. Florence et Honoré. Si tu ne peux pas payer 10 000 ou 20 000 pour les lectures de cartes, il faut laisser. Bérénice et Gaëtan. Stéphane et Victor, Stéphanie et Victor, Elena et Issa, Madou et Myriam, Majoa et Antonio, Lucie et Michel, Ornella et... Écris encore, écrivez seulement les prénoms, n'écrivez pas trop. Roseline et Émile, Joël et Ernest. Une minute. Lot et Léa. Attendez, je vais ouvrir la porte. J'arrive. Voilà. Donnez-moi une pause, je vous en prie. Je mange. Merci. On est là et voilà, je vais faire pour vous. Je fais pas avec Dieu. Pardon, il faut que tu quittes pas et que tu économises ton crédit ailleurs, pardon. Ok. Donnez-moi une minute, j'ai pas ce fini. Merci Vanessa. Tu vas voir mon live.
Ça va te bloquer. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, le roi Xavier. Voilà. Cette journée, c'est mariage, mariage, restauration. Donc, j'ai allumé les bougies en or, si là. C'était pour permettre, s'il y a n'importe quoi. Une bougie, c'était j'attire mon âme sœur. J'attire. Maintenant, quand je mets les deux bougies ensemble, c'est pour les gens se marier. Supposons que vous êtes ensemble depuis et il y a quelque chose qui vous sépare. Parfois, tu peux être marié légalement avec quelqu'un, mais il ne t'aime pas. Il t'aimait, mais il ne t'aime plus. On m'a dit comme ça. Donc, on voit les gens mettre leur nom ensemble là. Ça, c'est pour restaurer l'union. Voilà. Tu apparais sur mon live, tu me demandes qui je suis. Ah, oui, bon, on est là et voilà. Tu vois, on est là, j'ai fait non. On est là et voilà, Prisca et Amon, Marceline et Achille. Mariage, mettez seulement vos noms, ne mettez pas. Majorie et Daniel, Simone et Maxime, Laurent et Ursula, Pamela et Fidèle, Evina et Akash, Océane et Frédéric, Laetitia et Corneille, Adeline et Nelson, Lucienne et Daniel. Sylviane et Karl, Madou et Myriam, Vanelle et Paul, Anastasie et Christophe, Lucienne et Daniel, Monica et Tulipe, Marianne et Désirée, Romain et Martial, Jean et Julie, Mamadou et Fatima, Marie et Isaac, Romain et Martial, Fatou et Junior, Jean-Pierre et Yvette, Richard et Ren, Bertie et Konaté, Julie et Innocent, François et Famos, Salimata et Taufik, Stéphanie et Victor, Donald et Marie, Manoir et Rocky, Marceline et Achille, oui, c'est déjà fait, Cynthia et Félicien, Vanessa et Samuel, Aldo et Evangelista, Kelly et Ange, Julia et Innocent, Coco et Gloria, Habib et Aïcha, Aldo et Evangelista, Nadège et Charlie, Cédric et Bénédicte, Coco et Gloria, Mirella et Arnaud, je m'accorde avec vous qui demandez ceci, je viens raviver la flamme dans votre corps. Je viens raviver la flamme dans votre couple. Je remets même le désir sexuel. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples même qu'on a pris C'est parce que vous êtes trop... Tu vois, quand tu es simple, tu te dis que... Ah, comme je suis marié, on va respecter notre union. Les gens vont venir entraver votre union. Diomède et... Ok. Colette et Désiré, Christophe et Grâce, Hippolyte et Chimène, Roland et Martine, Richard et Marceline, Régine et Mav, Regina et Mav, Diomède et Jessica... Laurence et Guillaume, Salimata et Thio, Adeline et Nelson, Béodé, Christian et Serge, Arlette, Bobby et Lydia, Aldo et Evangelita,
Mylène et Charles, Ama et Yannick, je viens raviver la flamme dans votre couple, dans votre relation. Rachida et Oseni, que les plans que vous aviez au départ, que vous les remettiez sur la table. Parfois tu te maries, tu avais ton gars comme ça, là, mais ses finances sont dirigées par sa mère. Sa mère est partie pratiquer sur lui. Et comme tu es encore jeune, elle sait que la fille ne connaît rien. Ariane et Demouer, Papi et Merci, Cédou et Ami, Apolline et Michel, Laurence et Guillaume, Armel et Alida, Alice et Bertrand, Pascaline et Karl, Mamadou et Karimatou, Nat et Anne et Twiti, Asita et Ahmed, Hadj et Mirabel, Mitch et Aya, Ghislaine et Paul, La Couronne et Paul, Georgette et Bécanti, Linda et Pascal, Pascal et Carole, Sandrine et Guy, Laurent et Ursula, Hubertine et Prosper, Tania et Taufik, Annick et Somalik, Christelle et Yannick, Misseni et Lucien, Diomède et Jessica, Donald et Marie, Mamadou et Mariam, Nadia, Akram, Azan et Alain, Jamina et Patrick, Arnold et Edwige, Kango et Ahmed, Marcel et Evelyne, Coco et Gloria, Zulu et Aïssata, Kango et Ahmed, Alain et Léonce, Flore et Adomi, Islan et Jean-Paul, Ghislaine, pardon, et Jean-Paul, Marco et Magda, Célia et Joe, Ismaïla et Yvette, Arnold et Edwige, Meng et Gribi, Gilda et Valérie, Basile et Vanessa. Et parfois, tu sais, j'ai connu ça. J'étais mariée dans le passé et quand mon mariage se gâtait, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait. En fait, tu as cette sensation de faiblesse. Que tu sais que, comme on est en train de se séparer là, personne ne m'aide. Je ne sais pas si vous voyez un peu. L'homme qui t'aimait hier, là, qui ne jurait que par toi, aujourd'hui, il ne veut même pas te sentir. Salimata et Tafik, Toafik, Taufik, Pedro et Loria, Lucie et Johan, Romain et Marie, Sandrine et Christophe, Laura et Flora et Janvier, Lucie et Johan, Séraphine et Rodrigue, Princesse et Dan, Madina et Issa, Estelle et Christian, Ariane et Denver, Thérèse et Walter, Laurent et Ursula, Audrey et Duclair. Et aussi cette chose-ci là, ok? Quand j'ai hâte de prier, vous voulez vous poser les questions, hein? Posez, je n'y répondrai pas. Bon, regardez un peu, voilà encore une situation qui se passe. Tu es avec ton gars, vous vivez bien, tout va bien. Un truc se passe et tu sens que quelqu'un a pris le cœur de ton gars. Pas qu'il aime une autre personne, hein? Mais il devient dur avec toi. Tu vas avoir à t'appeler bébé. Vous voyez un peu ça? Tu sens une tension. Même si vous voulez faire l'amour, maman, tu sens que c'est seulement le devoir, c'est seulement parce qu'il veut se soulager. Mais tu ne le sens plus là, donc peut-être quand vous étiez ensemble, peut-être que vous êtes en train de le faire, il te regardait, tu sentais vraiment, c'est ce que je veux restaurer maintenant. Francesca et Warren, oui. Jolene et Ernest, je remets votre flamme. Stella et Walter, Raïssa et Jean-Paul, Judith, Gaël et Vanessa. Comme j'appelle vos noms comme ça, j'appelle vos gars, ou qu'on les a enterrés, peu importe l'endroit où les a mis. Il est physiquement avec toi, mais il est avec une autre personne dans un autre endroit, je ne sais pas, Blanche et Patrick, Alex et Verest, Nemata et Abalas, Binta et Idrissa, Sylvia et Stéphane, Basile et Vanessa, Merveille et Fils, Jean-Pierre, Myriam et Saliou, Myriam et Magali. Non, je ferai pour les gens célibataires tout à l'heure. Estelle et Koulibaly, Grâce et Gabriel, Suzanne et Yannick, Marceline et Jules, Micheline et Michel et Apolline. Je fais beaucoup pour les couples parce qu'on a toujours un dragueur quelque part. Il y a toujours quelqu'un avec qui tu sais pas, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas. Une semaine, il t'appelle bébé tous les jours. La semaine d'après, il ne t'appelle plus. C'est son nom là que tu dois mettre ici. Que comme il vient là, il vient une fois. Il n'est pas appelé quelque part. Yves et Kevin. Jean-Pierre, Yvette. Ophélie et Cédric. Adeline et Nelson. Nanette et Ulrich. Ophélie et Cédric. Romy et Eric. Madine et Issa, Jamina et Patrick, Mohamed et Nana, Achille et Marceline. Bienvenue et Mohamed, Romain et Marie, Jolène et Ernest, Noura et Henri, Vanessa et Jules, Ado et Evangelista, Florence et Jean-Marc, Audrey et Jax, Florence et Roland, Amanda et Freddy, Ado et Evangelista, Marie et Khalil, Erika, Yolande et Eloge, Ghislaine et Jean-Paul, Sylvie et Roméo,
Fabrice et Astrid, Lucie et Vincent, Salimata et Taufik, Véronique et Laurent, Pamela et Fidèle, Dani et Stéphane, Amanda et Freddy, Véronica et Aubrey, Fanta et Hamza, Sandrine et Francky, je restaure votre flamme, je restaure. Julie et Omer, Lucie et Vincent, Awa et Stéphane, Julie et Sébastien, Micha et Ali, Dina et Arnaud, Rachel et Hervé, Erika et Prince, Fessol et Rukia, Mylène et Charles, Sandra et Olivier, Lotte et Léa, Nadège et Olivier. Écoutez, si il tombe sur le direct, il dit qu'il a vu, tu as mis son nom, tu nies. Que c'est pas toi qui as mis mon nom dans le direct là. Ouais. C'est juste une blague. Julien et Romain, Colette et Benda, Ami et Adamo, Waranka et Alex, Irema et Boris, Anol et Elvige, Urich et Fatou, Rachel et... Et vous savez, quand tu es dans une relation avec un gars, ne blague pas avec ton travail spirituel. Tu trouves un truc que tu sais que ça va l'aider, prends-tu pour toi et tu prends pour lui. Il y a des femmes mariées qui font que je travaille sur leur mari. Il travaille sur son mari, il a eu le boulot de 100 000 euros l'année avec les voitures de service et tout ça là. Lui là, il ne paye pas sa dîme chez moi. Chaque mois qu'elle paye sa dîme, elle met son mari dedans, elle se met. Que ça bénisse mon mari, que ça bénisse ceci. Charita et Kofi, Flore et Ruffin, Noura et Henri, Sanimata et Taufik, Déborah et Ambroise, Elvige et Landry, Marie-Christine et Fabrice, Marie et William, Colette et Panda, Julien et Omer, Ama et Yannick, Marianne et Désiré, Charifa et Kofi, oui, Nelika et François, Edwige et Landry, Khalil et Marie, Nicolette et Aimé Césaire, Merveille et Joseph, Prisca et Amon, Diane et Alphonse, Pedro, Christelle et Koulibaly, Adeline et Nelson, Tatiana et Sébastien, Natacha et Richard, Flore et Ruffin, Aboubaka et Daniel, Fanta et Hamza, Eric et Ange, Joël et Anissata, Patricia et Thierry, Salimata et Taufik, Serge et André, Raymond et Rudy, Ablo et Flora, Maurice et Magali, Suleiman et Safia, Antoinette et Gaïcien, Marcel et Gaston, Mado et Denis. Donc je précise que le mariage, le lavage pour la restauration émotionnelle, mariage a tiré l'homme de sa vie, ce lavage sera fait aujourd'hui. Et c'est 10 000 francs CFA, 16 euros. Vous envoyez par TapTapSen. Landrou et Peter, Ange et Francky, Déborah et Cyril. Je sais votre union, que personne ne vous sépare. Kango et Ahmed, vous écrivez, je vous envoie la vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo. Je ne vais pas faire en direct. C'est un peu plus privé, donc je ne ferai pas en direct. C'est ce que je travaille, vous savez que je fais le travail, j'envoie en privé. Parce que si en ligne, tu ne sais pas qui est là. Tu peux avoir la personne qui te bloque dans mon direct. Pavel et Stella, Désiré et José et Eddy, Bernadette et Daniel, Joseph et André. André et Olanje, Estelle et Christian. Yves et Edwige, Koulibaly et Christelle, Niclette et Aimé Césaire, oui, Déborah et Fabrice, bienvenue et Mohamed, Salimata et oui, c'est fait déjà. Le numéro pour TapTapSen, c'est 225. Le numéro, c'est de 225. Après, vous écrirez à ce numéro pour envoyer votre capture d'écran. Plus 225, 07 79, 02 52, 05. C'est un numéro orange aussi. Maintenant, si vous êtes au Cameroun, ça c'était pour la Côte d'Ivoire que j'ai donné. Vous faites le tap tap scène, ça va arriver en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour le Cameroun, pour le Cameroun, le 237 693 50 22 66. Je vous donne le code de marchand. Le code de marchand parce que. Le code orange.
237, non, code marchand orange. Vous faites le 1050 étoile 47 étoile 58 68 54. C'est ça mon code et ça s'affiche de Gift Digger Academy. 58 68 54. Le code MTN c'est 610221. Donc quand vous envoyez la capture, vous faites la capture d'écran. Elvige et Landry, JJ et Ueda, Flora, Florent et Elsa. J'ai donné le numéro orange, non. 693 50 22 66. Mais je préfère vous envoyer par le code marchand parce que le compte orange a atteint son maximum de transactions. Donc envoyez par le code marchand. 10 150 étoile 47 étoile 58 68 54. Ça c'est pour le Cameroun. Arnold et Vige, Ami et Ibrahim, Laurent et non, Rodrigue et Pamela, Roca et Youssouf, Destin et Merveille, Arnold et Vige. Je viens réactiver votre flamme, Samela et Miguel, Alpha et Edwige. Oui, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07-79-02-52-05. Donc, plus 225, 07-79-02-52-05. Adeline et Nelson, Sandrine et Marc. On fait aussi des consultations de couple. Supposons que tu as un problème marital ou bien de foyer. On a un consultant pour ça. Donc, je ne suis plus la seule à consulter. Il y a plein de personnes maintenant. Mais on travaille toujours pour les... Donc, tu sais que tu as les dons, mais telle partie de ta vie est bloquée. Parfois même tu te maries, ton mari ne te comprend pas. Tu te maries, tes dons souffrent dans le mariage. Et ton mari veut te quitter parce que toi tu ne te comprends pas. Et ça fait des problèmes dans ton foyer. On a consulté l'autre comme ça l'autre dernièrement. Elle quand elle commençait à réagir, ça faisait qu'elle changeait beaucoup d'humeur. Son mari ne comprenait pas. Beaucoup. Le kit attirance ou le kit chocolat c'est disponible au Gabon. Oui. Elle changeait d'humeur, donc il était... Ah, il ne comprenait pas. Et il y a aussi des trucs que tu dois mettre sur toi, comme des pierres que tu dois acheter pour te calmer. Ça te calme. Non, des pierres comme ça, comme les colliers, on vend ça. Des choses que tu mets sur la main, ça te calme. Ça. Parce que quand tu es appelé, tu ne peux pas rester comme tout le monde. Tu ne peux pas mettre les chemises que tout le monde met, le cabas comme tout le monde. Non. Donc, les consultations de couple qu'on fait. Normalement, vous êtes consulté à. Si c'est toi seul qui viens, vous êtes consulté à deux. On a un qui est très spirituel et un qui est très expert dans le mariage. Donc, ça t'aide à comprendre. Donc, vous demandez consultation au mariage, ça, c'est tout autre chose. Bon, je continue. Consultation couple, ok. Reine Cléopâtre, prends le numéro 074, ça, c'est pour le Gabon. 074-18-0080. JJ et Ueda au Japon. Voilà. C'est bon? Tu veux le chocolat, c'est les raisins. Consultation couple. J'ai dit que pour un mois, c'est 30 000. Ça suit bien. Akouvi et Michel, JJ et Ueda, Armel et Ibrahim. Les jeunes couples, spécialement quand vous venez de vous mettre ensemble, genre vous voulez vous marier, vous venez de vous marier, c'est des moments très délicats. Parce que parfois, tu te maries avec une femme, tu ne la connais pas. Elle-même, elle ne se connaît pas. Ses guides te bloquent. Je veux que vous compreniez que je fais des consultations de couple pour. C'est pas seulement pour dire que ouais, je veux rencontrer le gars. Non. C'est un problème que vous avez dans votre foyer parce que vous ne comprends pas les dons de ta femme, elle ne comprend pas pour toi.
Elvige Landry, Divine Richard, Myriam et Yolady, Stella et Stéphane, Sylvain et Berthe, Marie et William, Audrey et Jaikis, Christian et Nora, Naomi et Brian, Amel et Yannick, Karim et Sylviane, Cynthia et Johan, Kumba et Joseph, Noemata et Ambalas, Christelle et Sosten, Amel et Ibrahim, Kango et Ahmed, Shatira et Kofi, de rien pour le numéro, Mamata et Abdoulaye, Derek et Ombreta, Karine et Benoît, Karel, ton numéro le fait que Chabra, chaque fois que je lis ça part, Angela et Idriss, Marianne et Désiré, Corinne et Chabrel, Alex et Laetitia, Christelle et Koulibaly, Nemata, non, Ismaël et Sarah, Alessandra, Alessandre et Emmanuela, Sherifa et Kofi, Joseph, Georgette et Ahmed. Maman, Kelly, ton nom n'est pas que fuir. Non, je vais chercher ça, je vais le lire. Karel et Kelly en France. Hein? Vous avez des blocages. Il y a des problèmes pour toi. Je t'assure. Il faut me contacter inbox. Natacha et Jacques. Wilfried et Marina. Alphonse et Diane. Agnès et Stéphane. Charita et Kofi. Nemata et Ablas. Chancia et Kevin. Et vous savez, on ne reste pas. Tu dois constamment travailler sur toi et ta femme ou toi et ton mari. Diane et Franklin. Il y a des problèmes que vous avez que ça ne vient même pas de vous. Elias et Sharon, Karine et Benoît, Ange et Roméo, Michel et Apolline, Myriam et Joyolady, Jackson et Erika, Arnold et Evige, Ange et Yasmina, Elias et Sharon. Et quand vous commencez le travail, ne vous fatiguez pas. Tu peux commencer le mois-ci. Il y a une dame qui a fait le Kiff Fondation. Son mari qui était très très désagréable, elle a commencé à devenir gentille. Elle a commencé à devenir gentille. Jusqu'à elle était choquée. Que je voulais briser les malédictions générationnelles, c'est plutôt mon mari devient gentil avec moi. Suzanne et Théophile, Nadia et Bernard, Muriel et Alain, Corotum et Jean-Marc, Armel et Mélanie et Didier, Anon et Monica, Joseph et Sandrine, Nadia et Bernard, Okatou et Ali, Joséphine et André, oui, Kango et Ahmed, et Sofa et Sherifa, Edwige et Landry, c'est pour l'union. Si jamais il y a quelqu'un qui veut vous séparer, problème, discorde, n'importe quoi, pour restauration du couple. Draman et Ferine, Adeline et Nelson, Brian et Naomi, Linda et Pascal, et c'est aussi pour l'accès au mariage. Arnold et Edwige, Rokia, Guy et Jordeline, Blanche et Rodrigue, Didier et Achata, Armel et Yannick. Draman et Ferry, Dracé, Eric et Rosine, Karim et Sylviane, Marie et Alain, Flore et Adonis, Catherine et Grégoire, Dracé, ton nom ne fait que fuir depuis, Guy et Kimi, Christian et Dorcas, Lydie et Charles, Dorian et Prudence, Guy et Kimi, j'ai déjà dit, Dracé et Oxane, Aïssata et my God, Ange et Sonia, Pierre et Christelle, que vos vœux, que vous vous êtes fait l'un envers l'autre, vous les respectiez. J'éloigne toute personne qui veut vous séparer. Parfois, on met la haine entre toi et ton mari. Vous vous détestez. Et parfois, tu le regardes comme ça, tu te dis que ah, j'arrive pas à croire que j'ai aimé l'homme si à un moment. C'est comme si tu t'es métamorphosé. Et il y en a aussi parmi vous, vous vous êtes marié avec certaines femmes sans voir leur guide. Il y a les femmes qu'il faut aller seulement doloter leur guide. Il y a les hommes que tu dois seulement aller doloter que pardon. Prenez l'offrande de cela. Pardon. Ça, c'est votre princesse, je sais. Permettez que je me marie avec elle. Ce n'est pas la blague. Karine, arrête d'écrire le même message. Tu seras bloqué, Karine. Fabrice et Jocelyne. Kevin et Carla, Draman et Firima, Florette et Miché, Jaffet et Kevin, Junior et Beatina, Carole et Dové, Céline et Corneille. Bon, je vais maintenant arrêter pour les gens en couple. Vous savez, quand on grandissait, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. On arrête pour les couples.
Je vais faire pour les célibataires dans quelques minutes. Je vais d'abord expliquer un truc. Tu grandis, ta mère était célibataire. Et pendant ton enfance, tu as vu au moins 5 hommes passer dans la vie de ta mère. Ils sont partis. Les pauvres maris ne savent pas. Ils ne sont pas pauvres, ce qu'il a. Pose ta question, Zion. Donc, tu grandis, tu es en France, Angleterre, je ne sais pas. Financièrement, tu es indépendante. Pour me parler en privé, mon numéro est là-bas. Les consultations aujourd'hui, c'est 50 000. Il y a la promo aujourd'hui. Normalement, c'est 80 000. Et je dois vous éponger aujourd'hui. Je dois finir toutes les consultations. Dès que j'ai fini le direct, c'est là, il faut que je prenne les gens en consultation. Donc, si tu avais déjà payé et que je ne t'ai pas encore consulté, je t'en prie, réécris là, je vais te consulter aujourd'hui. J'étais souffrante depuis, donc je n'ai pas fait de consultation depuis là. C'était mon collègue qui consultait. Magasho, pardon, écris en inbox, on te donne les coordonnées. Le nom c'est AB Solo. A-B-E. Mm-hmm. Tu as l'impression que la distance gêne ton couple. C'est un peu une impression, c'est ça, mamie. Donc, mamie, ta question est où? Toi qui voulais poser la question, les gens écrivent beaucoup. Le nom c'est AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. AB Solo. Et le prénom c'est Charles Bronson. Mais je préfère que tu écrives pour qu'on te donne l'autographe. Parce que si tu rates l'autographe, on ne va pas donner l'argent. Hmm? Le prénom c'est Charles. Il fait quoi comme métier? Toi-même, tu fais quoi comme métier? Quelqu'un m'a demandé si je suis un homme ou je suis une femme. Il a dit que je suis un homme à qui on a mis les seins. Donc je continue. Tu te maries. Hmm? Tu grandis déjà. Première relation, le gars dit qu'il va t'épouser. Il fuit. Deuxième, troisième. Tu commences à faire les enfants. Tu accumules les enfants. Finalement, tu forces. Tu te maries. Vous ne faites même pas 2 mois ensemble. Les problèmes. Jusqu'à tu sens que le problème, c'est qu'on a. C'est pas normal. Ton homme, que quand il t'aime là, hein, il peut t'offrir la voiture. Je sais qu'il y a les femmes ici là, vous avez cette faveur là, je sais. Parfois aussi, c'est tes pouvoirs, mamie. Tu comprends? Parfois, c'est toi-même tes pouvoirs. Certains d'entre vous, vous avez des guides très très forts. Leur tête là est très dure. Là, tu rencontres quelqu'un. Et lui aussi, bon, il est un peu ton nom. Il ne connaît pas qu'il faut faire quelque chose pour intercéder. Hmm? Comme ça, chaque jour, vous avez des problèmes à la maison. Problème, colère. Après, tu te retrouves maman célibataire. Ta mère était maman célibataire. Hmm? Si tu ne connais pas les guides, il faut laisser. Je rappelle ceux qui viennent arriver dans mon direct. Je travaille plus avec les gens qui sont choisis. Les gens qui ont des pouvoirs. Les gens que tu as des rêves, des dons préménitoires. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, il va recevoir ce qu'il. Tu ne sais pas que tu parles à l'église tous les jours. Hein. Les choisis, ce n'est pas les gens qui sont à l'église tous les jours, qui vont te. Ils prennent une parole, dire Amen, gloire à Dieu. Amen. Non, les choisis, c'est pas. Mais tu connais, tu te connais. C'est pour. Mes services, c'est pour vous. Hmm? Voilà. Donc d'habitude, je parle d'argent. Aujourd'hui, je ne parle pas de commerce. Aujourd'hui, je parle de relations amoureuses. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous. Tu connais que si tu demandes n'importe quoi, tu obtiens. D'ailleurs, la maison où tu vis. Tu es la plus riche de ta famille. Tu as manifesté l'abondance. Ou le plus riche. Mais côté amour là. Quand il faut, donc, tu vas m'appeler à la maison avec l'homme comme ça. Il entre, il sort comme il veut. Tu ne veux même pas. Tu ne veux pas les mots de tête. Parfois, il y a des choses. Il y a souvent certains rites. Voilà. Certains d'entre vous, parfois, tu es censé être peut-être assise sur une chaise. On n'a pas fait. Maintenant, tu dis que je veux d'abord me marier. Je veux d'abord. C'est pour ça que tout depuis là, tu es bloqué.
Viens, accepte seulement ta chaise. Assois-toi. C'est fini. Tes guides là vont se calmer. Moi, je veux non. Tu ne peux pas t'élever dans la société et prospérer si tes pouvoirs ne s'ouvrent pas. Donc, beaucoup d'entre vous qui êtes riches là, tu as l'argent déjà. C'est-à-dire que tu allais commencer à développer tes dons. Mais il y a certaines parties de ton appel que tu refuses. Il n'y a pas la même dame l'autre jour. C'était la consultation. Elle vient. Elle fait des produits cosmétiques. Elle a beaucoup d'argent. Beaucoup d'employés. Elle est même. Quand elle est en ligne, elle est les followers. Maintenant, elle me dit, on m'a dit trois fois que je suis censé faire ce que tu fais là. Non, moi, elle ne veut pas. Son problème, c'était quoi? Relation. Et que je n'ai pas problème d'argent. Hein. Je viens avec toi, c'est pas parce que. Non, je n'ai pas problème d'argent. Comment la relation? Et que tu refuses alors ton appel, pourquoi? Pourquoi vous prenez? Ton gars ne veut pas se déclarer 13 ans de relation. Sorel, quand c'est comme ça, tu travailles. Beaucoup d'entre vous, on doit travailler d'abord sur vous-même. Parfois, ce n'est même pas ton gars le problème. Hein. Vous me suivez? On travaille d'abord sur toi pour calmer. Il y a des femmes parmi vous qui sont tellement puissantes que quand tu te mets avec un homme, tu portes la bénédiction, certes, mais il faut que ce soit un homme qui mentalement il est fort. Parce que tu n'es pas facile. Tu changes d'humeur. Ok. Vous-même, les femmes, c'est là. Ils ont dépassé. Ma fille, qu'est-ce qu'on s'est dit que c'est laquelle qu'elle veut voir aujourd'hui. La face que tu montres, ils ont dit que ok. Parfois, tes blocages, c'est dans toi. C'est pour ça que l'homme, au départ, il voulait, mais après, il ne veut plus. Bon, pendant la consultation, je crois qu'on pourra aussi regarder ça. Le code promo de consultation aujourd'hui, c'est C50. Tu écris C50. Si tu as une seule question, tu poses ta question, c'est 10 000 francs. On va te répondre. C50, 10 000, une question. C50, 20 000, deux questions. Non, C50, 20 000 aussi, c'est pour les lectures de vos enfants. On consulte. Marabout Choco. Pardon, va faire ton direct, Marabout. Va chercher tes followers, s'il te plaît. On se respecte dans notre art. Tu comprends, hein? On se respecte entre nous. Nous qui faisons ce qu'on fait. On se respecte. Si je vois un agent de lumière qui fait ce que je fais, il ne va jamais entraver une autre personne. On dirait que c'est toi qui es décrit. Si tu es une dominatrice, ça veut dire que tu dois beaucoup. Généralement, vous les dominatrices, vous n'avez pas accepté l'autre partie de vous. Certaines parmi vous, vous devez avoir un hôtel dans votre maison. Ton endroit à toi. Là, il faut peut-être une fois par. Le lion blanc. Tu mets sur mon live, je suis les gars. Pardon, allez lui écrire. C'est bon, il fait ta pub, c'est bon, non? Tu dois avoir ton hôtel, déjà que tu mets tes choses. Même dans la nuit, il y a des jours de la semaine où tu ne dois pas dormir avec lui. Parce que très tôt le matin, on va te parler. Il y a des moments où dans la nuit, on va te dire, va faire tel travail pour ton mari. Tu te lèves, tu ne sais pas seulement faire. Maintenant, quand tu refuses le pouvoir, là, c'est là-bas que tes problèmes commencent. Bon. Il fait maintenant le dernier. Comment vaincre la déchetesse spirituelle? Je vais te faire le lavage pour que tu sois plus têtu. Tu as compris? Ton abeille que tu vois là, peut-être c'est un de tes ancêtres ou de tes guides. Ce n'est pas forcément négatif. Donc, le lavage, c'est 10 000 francs. Je vous ai déjà précisé. Vous écrivez le numéro est dans la bio.
Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 225-07-79-02-52-05. Le numéro du Cameroun, 237. Merci de m'aimer. 693-50-22-66. Si tu viens d'aménager dans une nouvelle maison, tu dois prendre les bougies. Ok? Tu mets les bougies dans chaque pièce. Tu peux aussi prendre ça pour ta maison. On vend ça. Tu mets ça dans la maison. Il y a l'encens. Notre encens du village là. Attendez, vais ramasser ça. Tomber tout à l'heure. Voilà notre ensemble du village. Avec les encens ici. 7, 7, 9, 9. Et l'encens Saint-Michel. Tu mets le. Si tu vis au bord de la mer, tu vas à la mer. Je suis à Abidjan. Je vous ai déjà dit, vous dites tout comme ça. Je viens à tel endroit. Quand il vient, vous ne me voyez pas. Parce que moi, je vous connais. Ça, c'est l'ensemble. Ça sent. J'ai un de mes employés qui aime trop l'odeur de ça. Monsieur Stéphane, bonjour, toi qui aimes l'encens du village. Donc, tu dois brûler ça dans toutes les pièces de ta maison. Tu prends le charbon ardent. On vend ça dans mes locaux. L'encens, là, on vend ça. Ce sont les écorces du village. Donc, les bougies, tu les mettras au centre de chaque pièce. Ok? Mais avant ça, tu prendras de l'huile. De l'huile. Tu mettras ça sur. Tu mets d'abord tes intentions. Le lavage est possible à distance. Voilà le numéro. Tu prends l'huile, tu mets sur la main. Tu mets tes intentions dessus. Je chasse toute entité négative de cette maison. J'attire la prospérité, l'abondance dans cette maison. Tu frottes la bougie en venant vers toi. Le numéro de la Côte d'Ivoire, n'appelez pas maintenant. Hein. 0779-0252-05. Ça, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Tu prends la bougie comme ça. Quand tu veux brûler une bougie avec des désirs et des vœux, la bougie là, si tu veux arrêter certaines choses, je dis ne pas appeler maintenant, n'appelez pas maintenant. Tu vas arrêter de faire certaines choses. J'ai loin de moi les mauvais esprits. Comme cette bougie brûle, toute haine, toute. Tu brûles, tu fais comme ça là. Tu mets l'huile et tu parles hors de moi. Tu vas attirer vers toi. Tu pointes la bougie vers toi. Ok? Tu attires l'abondance, la restauration. Ok? Comme ça. Non, cette bougie, quand tu as mis les intentions, avec l'huile, c'est l'huile que tu mets sur toi comme ça. Sur la bougie, je veux dire. Ok, on t'envoie le code marchand. Les employés. Mes employés qui sont en train de m'écouter là, montez le code machin aux gens, ils payent. Ne vous amusez pas. 07-79-02-52-05. Abidjan, 07-79-02-52-05. Voilà. Donc, j'ai aussi le produit ici qui s'appelle Sors de moi. Ou Sors de chez moi, comme vous voulez. Sors de moi ou de chez moi. Tu le prends. Quand tu viens d'aménager, toujours. Hein. Donc, voilà le produit dont tu as besoin. Ou bien tu achètes le kit maison hantée. On a le kit qui s'appelle kit maison hantée. Il y a tout ça dedans. Il y a le sel, les cristaux, le sort de moi, les encens, tout ça là-dedans. Voilà, tu rajoutes, il faut qu'il y a aussi les bougies dedans. S'il n'y a pas, tu rajouteras les bougies. Donc, l'encens ici, tu le brûles à fond. Dans chaque pièce. Pourquoi ce que tu peux venir, c'est que quand tu prends la clé de l'endroit, tu viens, tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu lis le somme 35. Le bac kit maison hantée, ça doit être 50 000 euros, je pense. Écrivez à mon standard, vous demandez, le numéro est dans ma bio. Donc, tu viens, tu ouvres la porte, tu mets le sel dans l'eau, tu pries dessus.
Tu laves d'abord le sol avec le sel. Tu prends un peu de cette eau salée. Tu mets dans ton spray. Tu vaporises sur les murs de la pièce. Chaque pièce, parce que les pièces, les murs portent un message. Les esprits restent sur les murs. Donc, c'est ce truc-là. Soit tu vaporises, soit tu prends comme avec le balai, non. Tu fais comme. Quand vous partez à l'église, le prêtre fait là. Hein? Tu prends, tu verses en parlant. Voilà, il y a une nouvelle personne qui est entrée dans cette maison. Sortez. Tu vois que la bougie, c'est fini. C'est, on a encore fini tous les mariages là. Donc, sors de moi, tu le mets dans la. Tu peux mettre dans les coins de chaque pièce. Ça, c'est sort de moi. Ça, c'est très puissant. Le premier jour où tu aménages, tu mets ça à minuit. Tu te réveilles à minuit, tu mets dans les coins des chambres. J'ai une qui m'a dit qu'elle a mis ça chez elle. Après, elle a entendu les trucs qui grattaient la fenêtre de sa douche. Like. Il y a une qui m'a dit qu'elle a mis ça. Il y a tellement de trucs, like, you know, freaky things. L'encens, tu le mets. Tu as lavé le sol, non? Tu prends l'encens, tu mets sur le charbon, tu mets dans chaque pièce, tu brûles. Ou bien tu mets dans une pièce, tu ouvres toutes les pièces qu'elles communiquent entre elles, tu fermes les fenêtres. Tu laisses l'encens brûler. Mais généralement, je préfère mettre dans toutes les pièces. N'économisez pas. La bougie que tu as, sur laquelle tu as prié, tu attises le feu. Tu mets une bougie dans chaque pièce. Les petites bougies, c'est mieux parce que tu laisses ça brûler jusqu'à ça finit. Et tu dis, en déposant la bougie, tu dis que je mets la lumière dans ma maison. Toute entité négative, tout mauvais esprit qui vivait ici ou bien qui avait son domaine ici, comme je mets la, comme j'allume cette bougie, que Dieu nous guide sur le droit chemin. Tu viens faire tes prédications à qui ici là? Quand Jésus est né, on est parti le voir avec les enfants. Hein. Le truc, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement... Je ne sais pas si c'est la bêtise. On est devenus bêtes. Tu te maries, tu restes seulement comme ça, tu attends. Tu attends que tu fais ton business, tu es là, tu attends. Continue d'attendre alors. Attends, monsieur, attends. L'encens, tu le brûles, la bougie, tu déposes dans chaque pièce, tu laisses. Le sort de moi, tu vaporises. Dans la pièce, si tu ne peux pas avoir accès à la maison à minuit, tu mets, tu fermes, tu pars. Maintenant, quand tu reviens, tu ouvres toutes les portes et fenêtres. Tu commandes maintenant à toute entité négative dans cette maison de sortir. Donc, quand tu avais brûlé là, après tu ouvres, ils sortent. Sandrine, est-ce que tu es là pour convaincre quelqu'un? C'est chacun qui sent sous son corps, non? J'ai une femme là, elle m'a contacté, elle voulait la consultation. Je lui ai dit qu'entre la consultation et les produits, prends les produits. Elle a pris les produits. Ça arrive chez elle. Premier jour est fait. En passant, ceux qui prennent le kit fondation, si vous êtes enceinte, ne buvez pas le thé de désenvoûtement, s'il vous plaît. Natacha, tu fais déjà de prier là, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Tu as peur ici là avec qui? Il n'y a pas la peur dans mon direct. Ah. Même si tu vis derrière chez toi, tu le fais, non? Et un poudre là que vous avez dans vos kits, non? Un poudre de blindage. Poudre, c'est noir, c'est marron comme ça, marron foncé. Elle dit qu'elle a pris ça, elle a mis sur son enfant. Premier jour, elle l'a fait. Deuxième jour, elle a mis sur l'enfant. Jesus. Elle met. Parce qu'il y a des endroits où vous allez mettre la poudre là. L'enfant va se coucher. Jesus is Lord. Elle dit que peut-être une heure après, l'enfant commence à crier comme si elle, donc comme si elle est possédée. Elle dit que, tu vois, quand tu refuses peut-être une sucrerie, où est-ce que les vidéos où les enfants refusent une sucrerie à l'enfant, il se fâche, il se bouge au sol, il met, elle dit que son enfant a commencé à faire comme ça. Elle était dépassée. Elle prend donc la Bible sur son téléphone, elle commence à prier. Elle dit que l'enfant cherche à taper le téléphone. Elle lit le psaume 35. Ah. Elle dit que quand elle lisait, c'est hier nuit, quand elle envoie le message, là, je suis tombée dessus, je l'ai appelé. Elle me dit que quand l'enfant a commencé à crier au sol, elle lit, l'enfant tape le téléphone, elle se débat.
Et elle dit que l'enfant en pleurant disait qu'il y a une femme quelque part là-bas, qu'elle est là-bas, là-bas. Enfant de 2 ans. Parfois, tu es là comme ça et elle est en pleine séparation avec le père de cet enfant. Et elle est encore enceinte. Elle est encore enceinte. Elle reste comme ça. Donc quand elle a appelé, elle dit que l'enfant s'est endormie, elle s'est un peu calmée. Donc vous aurez souvent des cas où vous êtes à la maison avec une entité, vous ne savez pas, une entité négative. J'ai dit que l'huile de blindage, si vous avez suivi la vidéo, quand vous recevez l'huile, une partie vous gardez. C'est pour ça que quand vous prenez, je crois que comme je suis en train d'augmenter les prix des kits, je vais mettre extra huile de blindage dedans. Donc je mettrai 2 boîtes. Comme ça, une boîte, tu mets sur les enfants chaque matin, l'autre boîte, tu mets dans leur huile. Mettez les choses dans leur huile. Si on prend le produit là, on frotte sur l'enfant, l'enfant commence à se débattre. Ça veut dire qu'il y a des entités qui dérangent cet enfant. Et potentiellement, ça dérange même toute la maison. Parce qu'elle me dit qu'elle a quelques semaines, elle était à la maison avec son gars. Voilà, aujourd'hui, elle est seule, elle est partie. Et c'est comme ça qu'ils viennent vous gâter bêtement, mais... Pour rien. L'homme qui t'aimait le mois passé, ton anniversaire, il l'a organisé. Aujourd'hui, il ne veut plus te sentir. Le thé de désenvoûtement et la poudre jaune à l'échelle, il y a l'onction dedans. Non, maman, mais les produits que je vous mets d'acheter, je n'aime même pas ça au hasard. Je n'aime même pas mes produits au hasard. Même pas. Même pas. Donc, ceux qui viennent aménager, j'espère que ce que je vous ai dit. Ah, il y a aussi notre partie, ceux qui ont le kit. Dans le kit, il y a une poudre que j'appelle. Il y a aussi le sel maison hanté. Vous pouvez prendre le sel maison hanté, vous versez dans l'eau pour laver le sol. Facile. Ce sont les produits que j'ai déjà composés. Vous prenez aussi une partie de sel, là, vous mettez ça dans les coins des pièces. À la fenêtre aussi, vous mettez. N'oubliez pas la partie où vous vaporisez sur les murs, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, tout ça, c'est disponible. Si vous avez dans le local, l'encens est disponible dans le local. Tu achètes ça, tu achètes le charbon ardent. Voici ce qui, voilà comment moi je fais pour acheter les produits spirituels. Je me dis toujours, si j'achète ce truc-ci à 30 000, ok, et que chaque jour, Dieu est censé me donner 50 000 chaque jour. 30 000 divisé par 30, ça fait 1000 francs. Ça veut dire que je me protège à 1000 francs par jour. 1000 francs sur les 50 000 que j'étais censé avoir, vous voyez que ça ne vaut rien, non? N'est-ce pas? Oui, dans le kit fondation, il y a aussi la poudre de maison hantée, oui. Oui. Donc, parfois, vous durcissez sur quelque chose alors que la chose là la présence de la chose fait venir ton argent. Maintenant, tu ne fais pas, tu es bloqué. C'est pourquoi je peux vous dire ça. Ok. 237 680 71 0701. Ça, c'est le numéro MTN. Donc, 237 680 71 0701. Le numéro orange, c'est le 237 693. J'ai dit poudre maison hantée. Ou encore sel maison hantée. Noir les encens. Brûlez les encens chez vous, s'il vous plaît. Brûlez les encens chez vous. Mince, j'ai même un nanaqueur qui a déjà 2000 abonnés. Il y a un nanaqueur qui a pris mon kit, il a mis sur son pouce à page. En tout cas, vous me reconnaîtrez.
Oh. Et c'est qu'on va faire comment en ligne avec les attaqueurs. TikTok bug. 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. Oh, TikTok, oh, peut-être ton temps est déjà arrivé. Bon, il faut que j'arrête alors. C'est bon, vous m'écoutez toujours? Non. Bon, j'ai parlé du lavage promo aujourd'hui, j'ai parlé de tout, donc j'espère que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Je vais y aller. S'il y a des consultations que vous avez demandées, il faut me écrire maintenant, je vais vous consulter. Je crois qu'il y a une liste d'attente. 237-693-50-22-66. Et le numéro est dans la bio. Dans la bio de TikTok, vous avez le numéro. Bon. Je ferme ce direct. Je chasse tout mauvais œil. Je pèse tout mauvais œil sur vous. Tout mauvais œil. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Regardez. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Ça aussi, c'est disponible. Vous mettez dans vos business ou dans vos maisons. Il y a les écrits du courant dessus. C'est l'œil de Fatima. Bon, bye bye.